Ok, let's go les amis. Oh là là, vous avez vu ça? En plus sur cette musique, laisse tomber tu vois. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième live, cette fois sur YouTube les amis. T'as vu Germain, on est venu Germain, on est sur YouTube, ça y est. Donc ça fait très plaisir. Bon, je vais baisser un petit peu, sinon j'aurais envie de casser mon bureau, tu vois ce que je veux dire. Alors. C'est là qu'il est. Ah oh putain, qu'est-ce qu'elle était légendaire cette musique, franchement. Alors, en temps normal, c'est la musique parfaite pour ce chapitre. Hein. 369, gros chapitre, un truc de ouf. J'espère que vous avez kiffé. On a nos amis qui vont nous rejoindre tout de suite pour qu'on en discute. Donc, je les fais passer en direct. On a Tyraen et Siska qui nous rejoignent. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, coucou. Je pense que tout... Coucou. Je pense qu'on vous entend, tout doit marcher à mon avis. Oh, il y a Furious TV, il y a War Zizi, ça c'est rire ce truc, ok. Why not? Et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être enfin sur YouTube. Surtout qu'on est des gens de YouTube en vrai. Alors j'aurais peut-être pu changer la couleur des pseudos, je pensais l'avoir fait en vrai, mais bon, soit. Oh, salut Ota, tu vas bien? Alors j'ai vu sur ton Twitter que t'avais un souci d'internet, mais c'est en tout cas, sois le bienvenu, donc... On va se faire un petit live, hein. Ce sera pas très long, mais il est programmé très simplement. En gros, on va faire une petite intro en relisant le scan. Et ensuite, on va discuter de un ou deux sujets qui sont en lien avec le scan. Et puis prendre ensuite les questions, évidemment, hein, tout est lié. On va essayer de répondre à tout ça ensemble. Sachant que c'est la première fois qu'on est sur YouTube. J'ai plus d'habitude sur Twitch, mais globalement, ça a l'air de fonctionner un peu pareil. Peut-être juste le chat est un peu plus petit, j'avoue, le chat est un peu plus petit. Hein ? Ouais, j'ai mes petites habitudes sur Twitch. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir. Donc c'est parti, on y va les amis. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va pouvoir analyser tout ça, t'as tout dit. Est-ce que ça va ? Vous êtes prêts, vous aussi, Siska ? Vous avez, Tyraen, vous avez le retour de toute façon sur le stream ? Oui, pas le son, mais l'image au moins. Pas le son, effectivement, mais tu sais, il y a Murder qui tourne. Alors j'ai rajouté un peu de reverb, j'ai diminué d'un ton. On verra, normalement ça va passer. Bon les amis, en plus franchement c'est en lien. Hein. C'est en lien avec ce qu'on voit là. Alors moi j'ai la version de Evil Genius. J'avoue que j'ai toujours lu en anglais Berserk. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais globalement de toute façon vous savez très bien qu'il n'y a pas énormément de dialogue. Donc tout va très bien se passer. On reprend effectivement donc ce chapitre... Au fond du trou, c'est l'apocalypse absolue. Et j'ai beaucoup aimé, moi, cette première page. Hein. Je pense qu'on l'a tous kiffé. Parce qu'il y a énormément d'émotions et beaucoup de dynamisme, de vivacité. Ça, j'ai vu dans un des commentaires YouTube, quelqu'un qui disait « on sent pas assez l'émotion ». Là, c'est la première page, on peut dire que moi, elle m'avait mis complètement en confiance. Quoi. Je me suis dit « putain, merde, ça y est, on a Shirky, on a Farnese, on a Guts qui est vraiment... » Tu vois, là, on sent bien qu'ils sont mis en relation et ça fait vraiment du bien, quoi. En plus on le sent écrasé un petit peu dans toute cette mise en scène, c'est très important. On le sent vraiment écrasé parce qu'il est pris entre ces deux cases et tout. Bon, si BD Mancy viendra un jour, il expliquera tout ça beaucoup mieux que moi évidemment. J'ai bien aimé moi la sensation de voir notre petite Shirky là qui était vraiment en stress pour son héros, son Guts. C'est vrai que mine de rien, c'est un peu son fan club là en vrai, Farnese et Shirky. Hein. Mais bon. Ah, mais totalement. Ouais, c'est ça, c'est son petit fan club. Bon, pour des raisons plus ou moins différentes, mais globalement. Et là, ça commence, on a Puck. Alors, Puck. Puck, c'est vrai que pour le coup, c'est lui. Alors, c'est peut-être que mon avis, mais je trouve que de le voir étirer comme ça tout seul, sur trois, quasiment quatre cases, c'est sa seule réaction. Donc, il nous dit effectivement que tout s'effondre. Bon, c'est vrai qu'on le savait déjà, mais globalement, prise toute seule, on va dire que c'est une jolie case. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, il est très très bien dessiné. Même les décors derrière sont plutôt jolis, je trouve. Ouais, t'as raison. C'est beau, oui. C'est vrai qu'il y a... Alors, moi, j'ai toujours... Alors ça, c'est très important. J'ai toujours cette question sur la qualité des scans. Donc la qualité, vous voyez, la compression et tout. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question, c'est full digital. Je sais pas si vous avez déjà vu Young Animal. J'avais mis le lien qu'on voit sur School Night pour aller l'acheter en japonais direct sur le site. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a les, je sais plus comment elles s'appellent, mais les japonaises en maillot de bain.
Bon, c'est quand même vendu dans les combini, hein. C'est pas non plus un délire dark où il faut y aller en impair pour l'acheter, mais c'est un peu ça quand même l'idée, hein. Donc je sais pas comment, tu vois, je sais pas exactement comment c'est compressé tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent de Manga Plus. Je pense qu'il n'est pas sur Xenamax. Si on peut leur tendre une perche, ça ce serait vraiment cool de leur part si jamais le projet continue, ce qu'on souhaite évidemment. Que Glenamax prenne le relais et nous fasse un peu un simulcast, ça ce serait le pied quand même en vrai. Donc on a Guts, hein. Alors on a beaucoup de Guts qui fait la même chose, parce que là c'est vrai que pour le coup on l'a beaucoup vu comme ça Guts. Je sais pas si vous ça vous a plu, les retours sont plutôt négatifs, mais là je crois que School Knight ils ont lâché la rampe. Moi de ce que je vois là on est quasiment sur 80% d'avis froid. Pour pas dire négatif, après il reste respectueux évidemment, hein, c'est des anciens fans, mais là il est dans grince, alors je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Moi j'ai eu. Ça m'a un peu dérangé de voir Guts comme ça, au-delà des graphismes purs, parce que il y avait toute une question qui se posait dans les chapitres d'avant, de justement Guts qui se libère de toute son addiction, il le dit presque lui-même comme ça, envers Griffiths et. Et ce besoin de combattre perpétuellement, Elfheim lui a vraiment posé un moment de paix. Et je sais pas, là, tout s'effondre d'un coup, il y a toute volonté. Ça va un peu vite, je trouve. C'était étrange. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je considère aussi qu'il y a une sorte de... Je pense qu'une part de malaise qui vient pour... Enfin, de malaise. Enfin, de choses qu'on aurait voulu mieux faites. C'est probablement la transition entre le Guts qu'on a vu arriver sur l'île avec un vrai soulagement, comme tu dis, en plus... Il le dit lui-même, hein, je crois que c'est quant à le grand mage qui lui pose la question. Il lui dit alors, et Griffith ? Et lui, il fait, mais putain, moi qui pensais, comme tu dis, quoi, moi qui pensais que j'allais enfin pouvoir me débarrasser de ma fixation. C'est ça. Mais bon. Moi, je pense que ce qui aurait été vraiment bien, c'était les deux choses que je disais pendant la review. À mon avis, ils auraient pu faire une petite emphase un peu plus forte sur le fait qu'ils perdent ses sens. Parce que effectivement, le pauvre studio Gaga, bon, en même temps, ils ont décidé de le faire, donc mais on est avec eux à 100%, bien sûr. Mais ils le reprennent à un moment qui est tellement difficile, ça je le redirai jamais assez. C'est vrai que là, si on regarde bien les yeux de Guts, je pense que ce gris, là, ce vert de gris, là, je sais plus comment on appelle ça, là, les yeux vitreux, voilà. C'est parce qu'il commence à devenir aveugle, en vrai, je pense que c'est ça, hein. C'est assez évident. Il commence à devenir aveugle, je crois que c'est pas la première fois, hein. Déjà dans le bateau, il me semble qu'il est dans sa cabine et à un moment où il dit « putain, je vois quasiment plus ». S'ils avaient remis, tu sais, ils avaient remis une couche là-dessus sur « voilà, j'ai essayé de serrer ma main, mais j'avais plus assez de force pour tenir mon épée, j'ai essayé de... où je touche et je sens plus le manche, je sens plus le vent sur mes bras, tu vois, pendant que je m'entraîne, j'en sais rien ». Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus d'un Guts qui est en état de cécité, quoi. Ça aurait aidé. Puis sinon, il y avait l'option Zod, hein, toute simple. Zod qui lui fait du mal. Et c'est un peu possible en même temps. Zod qui lui fait suffisamment mal pour qu'il soit incapable de se relever. Non, il déprime juste, là. C'est... Je sais pas si toi, tu as des avis là-dessus, Siska, sur ce Guts au bout du rouleau. Est-ce que ça arrive trop vite à ton goût ou toi, ça va? Ouais, en fait, moi, j'ai un gros problème avec ce chapitre en particulier. Les autres aussi, mais ce chapitre-là, je trouve que tout va trop vite. Donc, ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans, à ressentir de la compassion, de l'émotion même. Donc, je vais rejoindre un D'accord. peu ce que tu as dit par rapport à School Knight. Même la première page, j'ai un gros problème avec la première page. On n'a pas vu Shirky Farnes depuis très longtemps. On ne voit pas l'écart qui les sépare de Guts. J'aurais aimé qu'il y ait plus de verticalité dans le découpage, qui est trop horizontal à mon goût dans tout le chapitre. D'accord. Qui fait que en fait, ce manque de verticalité dans le chapitre me dérange, parce que la verticalité dans Berserk, c'est le moment où on met l'instant sur quelque chose, sur un quelque chose de tragique ou une émotion forte. Et là, il y a très peu de verticalité dans ce chapitre. Alors effectivement, il y a Puck, il y a une autre page, il me semble que c'est quand une des dernières pages avec l'épée. Ouais, on va y arriver, on va. Mais je n'ai ressenti
que très peu d'émotions. J'ai beaucoup de problèmes avec les expressions faciales, sauf celle de Puck que je trouve réussie. D'accord. Je suis Ben déçue. écoute, Voilà. garde-en sous le stock, on va regarder, on va avancer un petit peu. Alors, il y a Germain dans le chat, il nous dit que les ailes de Puck commencent à disparaître. Écoute, je suis retourné vérifier. Alors, j'avoue que Evil Genius est un peu moins contrasté, mais en même temps, la qualité est quand même meilleure, surtout pour la traduction d'ailleurs. Je suis pas sûr, hein. Là, moi, je les vois pas disparaître en particulier. Non, non, je le vois plutôt surtout préoccupé par son environnement. Donc on continue à avancer, voilà, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de guts qui est... Alors c'est pas le problème d'avoir beaucoup de guts, mais c'est de l'avoir avec plusieurs fois tout le temps cette même expression depuis plusieurs chapitres. Hein. Donc ouais, il y a le parallèle avec le fait qu'il soit agrippé à son épée comme après s'être fait abuser par l'autre Donovan. C'est vrai. C'est une façon, oui, de toute façon, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans Berserk, c'est ça qui est génial et qui est fascinant dans la symbolique de Miura d'ailleurs, dans une de ses dernières interviews là, du Databook en 2018. Lui, il le dit clairement, moi j'ai besoin de m'exprimer par le dessin. C'est un truc qu'il trouve assez génial et du coup, il expliquait ça, il disait ça notamment pour les dialogues, en disant que c'était quelque chose qui venait assez naturellement. Mais que ça lui arrivait très souvent d'avoir juste besoin que tout soit dans le dessin, que le dessin suffise. Et bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que c'est un maître en la matière. Après, j'aimais beaucoup ses dialogues, mais je le comprends. C'est vrai que grâce à ses dessins. Alors moi, c'est plus à partir de cette page où je commençais un petit peu à être un peu déçu, parce que c'est vrai que School Knight, ça revient beaucoup. Mais ce School Knight est un des goats de Berserk, il n'y a rien à faire. C'est vraiment dans l'œuvre un des plus grands personnages, quoi qu'il arrive. Il est, alors il a toujours eu du mal, effectivement, on l'a jamais vu blesser un God Hands, mais c'est clairement un des personnages les plus puissants de l'œuvre. Et de le voir là comme ça, bon, je sais On pas, sait même pas où impuissant. il est en plus. Il Bah enfin. regarde, mais il est où exactement? On ne sait Oui, pas. il est nulle part. C'est ça. Il est nulle part parce qu'en fait, il met un coup, tu sais, sur un dernier blob. Alors, c'est pas, en fait, c'est pas des blobs, c'est plutôt des masses d'esprits morts. Des morts. Voilà. Des masses. Une masse noire d'esprits morts. De fantômes. Donc, je sais pas comment appeler ça. Une sorte de blob spectral. Faudrait qu'on s'entende sur un mot pour en parler de cette matière noire, là. Mais effectivement, donc, lui se retrouve à encore mettre un coup dessus. Et commenter en disant c'est fou, mais tout en un instant a disparu. Si on zoome, là, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'infos. On dirait un trône, j'oserais dire, éventuellement. Mais c'est tellement moche ou simplet, je sais pas trop. Donc, en C'est tout pas le cas. trône de la reine, justement, quand on la voit pour Ici? la première fois? Sûr et certain? Pas C'est une certain, question, hein, mais. que je me pose, mais je me demande si c'est pas ce trône-là, justement. C'est ce que je me disais aussi, mais. Ben, moi, en fait, la pensée est arrivée dans ma tête et je l'ai refoulée. Je vais. Non, mais ça doit être autre chose. Tu vois, ça m'a fait penser à un brocoli ou un truc. J'ai fait, allez, hop. Vrai que ça y ressemble. Oui, c'est probablement un brocoli. Mais après, je me suis dit, évidemment, c'est une chaise. Mais je pense pas que ce soit la chaise, Game of Thrones. Si? Mon Dieu. Je me pose la question, je vois pas pourquoi ils auraient dessiné ça sinon. Je vois pas Bon, en tout l'intérêt. cas, vous inquiétez pas les amis, hein. Le chat il reste là, moi je le garde, on va répondre un petit peu après, mais c'est juste histoire de finir cette première partie sur le scan, comme ça on l'aura lu tout d'un trait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là pour la première fois ben, la physique Skellig, qui est plutôt une sorte d'archipel, de micro-archipel. J'aurais eu tendance à dire plutôt une sorte de reliquat d'un continent englouti. J'aurais plutôt vu ça comme ça, vu que le centre est très creux avec cette eau. Moi, je verrais vraiment un continent qui aurait été englouti. On voit ce fameux nuage, ces spirales, toute cette forme de ce rayon d'énergie. Là, il y a un truc aussi très important en bas de cette page, hein. Donc gardez bien ça en tête, on va essayer d'en discuter. On a la toute fin de cette matière noire qui réagit au sel. Donc ça aussi, c'est un grand classique. Miura a fait beaucoup de travail là-dessus. Hein. Il a lu beaucoup de livres de magie, beaucoup de livres de mythologie et ce genre de choses. Donc évidemment, le sel pour les mauvais esprits, c'est un classique. Donc l'eau de mer fonctionne sur
cette masse noire et qui est globalement en fait des esprits, c'est des fantômes en fait, hein. Globalement c'est des spectres probablement venus tout droit du vortex, mais on en reparlera. Pour toi c'est le sel qui bloque ? Pour l'eau de mer ? Ouais. Écoute, oui, je pense qu'il a dû, il a dû y penser. Il a dû y penser, puisque de toute façon, entre le feu et le sel, tu sais, c'est des grands classiques. Le feu, le sel. Je pense, hein, puisque comme je t'ai dit, le seul élément que j'ai, c'est son interview où il dit qu'il a en gros lu des livres de magie, enfin notamment deux qu'il a vraiment beaucoup aimé, qui étaient des vrais livres de magie, etc. Et qu'il il s'est imprégné de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que donc le sel et le feu, c'est assez classique, hein. Comme répulsif. D'accord. Heureusement, il nous a pas mis de l'ail. C'est pas One Piece non plus, quoi. Tu vois, c'est pas Usopp qui arrive sur Thriller Bark, tout va bien. il nous a pas mis une gousse d'ail, donc tout va bien. Mais effectivement, l'eau de mer, c'est ça qu'ils disent, hein, d'ailleurs. That black goop. Alors, goop, je sais pas ce que c'est ça qui est... C'est pour ça aussi, je crois, que j'aime bien lire en anglais, c'est que ça maintient un certain niveau, parce que les mots, ils sont pas évidents. Mais voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est que ça s'évapore avec le feu ou le sel de mer. Enfin, l'eau de mer salée, tu vois ce que je veux dire ? Oh oui, oui, totalement. Close call. Bon, Rodrigue, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il a réussi effectivement son coup de force, que c'est, ça reste un le gentleman, le héros, qui continue à sauver des gens, en même temps que les sirènes, d'ailleurs. Meros. Que les sirènes qui continuent aussi à sauver tous ceux qui sont par-dessus bord. Là, on la voit beaucoup mieux, Skellig. Hein. C'est vrai que quand on zoome, quand on a vu la première fois qu'on l'a vu, on aurait eu tendance à penser que c'est un tout petit reliquat d'huile. Mais en fait, c'est quand même assez grand. Hein. Oh, Magnifico, il dort, frérot. À mon avis, Magnifico, il est en train de vomir dans la cale ou un truc d'un genre. Enfin, je pense qu'il est dans un bidon ou un tonneau, tu vois. Ah oui, c'est une bonne idée. Genre, toi, t'imagines, il est parti dormir dans un tonneau, il le rejette dans l'eau et tout. Magnifico. Bon, alors, désolé, pour l'instant, je parle beaucoup, mais c'est en gros juste pour résumer toutes les scans. Et vous avez, voilà, ce beau croissant de lune. Il faut bien noter que tout en haut, là, on a un peu ce reste de dimension. Vous savez, quand les dimensions s'ouvrent, on a souvent ce côté un petit peu surréel. Et là, on voit quand même un reste de ça. Donc, faudrait imaginer qu'il y a eu un scratch, quoi, que tout s'est détaché et que Skellig reste comme ça, comme ce fameux croissant de lune qu'on voyait. Donc, on peut imaginer que sur la gauche, un peu plus loin, on a toutes les petites îles qu'on voyait au tout début. Assez beau panel ici. Moi, je l'aime beaucoup, cette double page, j'avoue. J'ai eu du mal à identifier cette fille qui m'a fait penser à quelqu'un d'autre. Là, tout de suite, je sèche, hein, si quelqu'un sait qui est cette fille. Là, j'ai eu du mal un peu à l'identifier. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle me faisait vraiment penser à... C'est une random, ouais, mais c'est une random. Ouais, je pense, ouais. Elle est prête quand même. Tu sais, comme au cinéma, plus tu te rapproches de la caméra et... Il y a un moment, t'as plus le droit d'être un random, hein. Il faut savoir qui t'es, à quoi tu ressembles. Je pense qu'elle faisait partie du petit cercle de sorcières... Apprenait à voler, tu vois. Peut-être, ouais. Mais ou alors, mais c'est surtout le problème, c'est qu'elle me fait penser à quelqu'un d'autre. Ah oui, est-ce qu'elle me fait pas penser à la petite. Comment s'appelle la petite qui est avec Rickert déjà ? Peut-être. Même si ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, mais je sais pas. Il y a un truc en tout cas. Donc, j'ai bien aimé cette page-là. Ça fonctionne assez bien, l'ensemble fonctionne bien. On est sur un naufrage et on les voit effectivement s'accrocher au rivage. Et là, on passe. Sur la meilleure partie du chapitre, on va dire ça comme ça. La plus belle, la mieux dessinée. Qui, hélas, nous frustre à cause de ce que ça implique et de la rapidité. Mais globalement, c'est largement le moment qu'ils ont le mieux dessiné du chapitre. Hein. On a en fait Danan qui nous annonce qu'elle part. C'est vrai que c'est complètement dingue. Hein. En vrai, les sauts de qualité sont quand même ouf. Hein. Je pense que vous avez tous kiffé en vrai hein, sur cet enchaînement de pages. Hein. Non ? En fait, tant que je lisais le chapitre tout seul, oui, la qualité n'est pas si mal que ça. Il y a une amélioration par rapport au précédent. Mais j'ai eu l'erreur, j'ai fait l'erreur de regarder quelques chapitres bien antérieurs. Encore, Mura était encore là. Et
Ah Bah, je pense qu'on n'a pas encore le. Ça, en fait, elle m'a choqué quand je suis tombé sur les chapitres de Miura, de voir les différences. alors ça en même temps ce sera un invariant là à ce stade ça changera jamais hein. Ça il faut vraiment le ça, voilà ça y est faut l'acter c'est je sais plus qui avait dit ça sur un des commentaires la dernière fois mais je suis assez d'accord avec lui c'est vrai que à ce stade là on le sait quoi salut Ivar salut à toi je veux dire c'est évident c'est évident ça c'est acté donc et puis tu as vu quand C'est même vrai. que dans quasiment tous les chapitres, il y avait toujours un moment très très bien dessiné. J'ai vu là, donc la dernière fois, on avait donné le César à Rodrigue. Là, moi, je propose de donner le César ici, à cette petite scène. Oui, les visages sont mieux dessinés ici, mais je trouve qu'il y a toujours un problème vis-à-vis du découpage. Je trouve qu'ils mettent l'accent au mauvais moment, en Ah ouais, fait, carrément. sur l'émotion, tu vois. Ah oui. Il y a quelque chose qui me dérange vis-à-vis de ça. Ouais, c'est vrai que si on rentre vraiment dans un... Encore une fois, moi, ça me dépasse dans l'absolu, c'est-à-dire que je suis juste un utilisateur éclairé, là. Consumeur enthousiaste. Je sais plus comment dire. Là, j'ai fait un mélange de trois expressions en même temps. mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Après, je me sens toujours un peu... pas à ma place de trop 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 rentrer dans le détail, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que, bon, déjà on l'a déjà dit, ça va trop, je trouve que ça va trop vite. Et je pense que ça aurait pu être plus fort Ça aurait pu s'ils être avaient plus mis les fort. cases au bon endroit. Je parle pas du dessin, ça aurait pu être plus fort si, voilà. Oui, j'ai bien compris, toi, c'est le découpage, c'est le fait que par Ouais. exemple on comprend pas exactement là, mais en fait c'est assez simple en vrai quand on regarde là Isidro il regarde dans une autre direction, hein, c'est des choses qui sont assez simples en vrai hein, quand on met vraiment le nez dessus, mais il regardait vraiment dans la direction opposée, donc là après il retourne la tête vers elle. Je peux comprendre ce que tu veux dire, mais moi pour moi c'est je rentrerai pas autant dans le détail là-dessus en tout cas, puisque moi j'ai été surtout très très content. J'étais plus en fait j'ai plus focalisé sur ça si tu veux, sur le récit, sur la péripétie, sur le fait qu'elle décide de partir, partir où, partir aussi vite. Et Furious TV, tu te demandais où est-ce qu'elle est? Je pense qu'elle est non, ça c'est la bonne élève, tu as raison. Elle c'est la bonne élève. Dont j'ai pas le nom en tête. Je pense qu'elle est censée être avec la sorcière, on verra bien. Elle aura sûrement elle son propre chemin. C'est une bonne question. Donc vous inquiétez pas, on les reprendra. Hein. Je remonterai dans le chat pour lire un peu tout ce que vous avez en tête. Et puis bon, ben là, à ce stade, moi j'avance. Hein, parce que là, c'est pour moi le sommet du chapitre, cette disparition qui est très bien faite. Et là, on voit tout le monde s'évaporer littéralement. Y compris. Les elfes, ça c'est essentiel. Il va falloir qu'on en discute. Et après, on termine. Alors, voilà, moi, si on veut parler des trucs, vous savez très bien sur quoi je focalise. Moi, c'est sur ça. Ou là, j'ai carrément. Moi, ça relève de l'énigme à ce stade. C'est-à-dire, là, c'est vrai que ça, il faut une explication. Est-ce que Elle m'a c'est parce. rendu folle, cette case. Ouais, mais c'est pas normal. C'est-à-dire, est-ce que c'est Ouais. parce qu'on leur a volé les scans? Est-ce que. Mais en même temps, moi, j'ai jamais vu d'autres scans que ça. C'est-à-dire, y compris sur School Night, il n'y a pas quelqu'un qui a posté une photo en disant, regardez, non, non, juste après la page en petite culotte, il y a, regardez, il y a un nez. Non, non, personne n'a posté d'image de Young Animal où il y avait tous les visages, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on termine là, comme Guts, anéanti. Bon, on l'aura vu presque 10 fois comme ça, mais celle-ci, c'est une très belle fois. Moi, je trouve que là, ça fonctionne assez bien. C'est peut-être un peu trop symétrique, mais bon, moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, j'ai pas non plus envie de trop trop tirer sur l'ambulance. Hein. Il y a des évidences absolues du style, voilà, Miura est meilleur, Miura n'est plus là, etc. Bon, tout ça, évidemment, on le sait, hein, ça c'est tellement, c'est, ça va de soi. Voilà. Alors, si vous avez envie de rajouter d'autres choses, moi, je vais essayer de remonter un petit peu le chat pour voir ce qu'on a comme réaction. Si vous voulez rajouter un truc, peut-être sur la fin, sur le fait qu'ils disparaissent,
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence Moi, je trouve que ça soulève énormément de questions pour la suite. Est-ce que tous les êtres astro-bénéfiques, enfin bons, ont disparu sur Terre ou juste sur l'île et c'est surtout, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous voulez venir tout de suite, mais c'est vis-à-vis de Puck, le fait qu'il soit là ou plus là. S'il est plus là, ça soulève énormément de questions, surtout vis-à-vis de Guts. Ouais, ça aide des... ben, ça c'est clair. Tu m'étonnes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand j'ai fini de le lire, alors, l'avantage quand on relit beaucoup de fois le chapitre, donc là, je ne sais pas, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le lis. Tu vois, on encaisse le coup, on s'habitue un petit peu, on fait un petit peu le deuil de ce que ça n'est pas, etc. Donc, disons que ça va un peu mieux que pendant la review où effectivement ça se sentait, hein, je crois, hein, que j'étais triste littéralement. En plus, c'était tôt le matin, donc bon, je vois que dans les commentaires, il y a plein de choses super intéressantes qui sortent un petit peu du chapitre. Alors je pense qu'il y a plein de débats qui pourraient être faits, effectivement, comme toi tu aimes beaucoup discuter, Furious TV, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Est-ce que eux s'astreignent, tu vois, ça c'est une de tes questions, est-ce qu'ils s'astreignent à ne pas faire de remplissage et à justement donner vraiment uniquement que ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire ce que Koji Mori a dit, nous ne ferons que ce dont on est sûr. Et là, c'est clair et net qu'on a cette sensation, c'est évident. Il y a des débats qui sont très intéressants sur School Night, je comprends. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Moi, je l'avais dit aussi, je pense que donner un nouveau nom à cette suite, justement, moi, je proposais Berserk Legacy parce que ça me semble super évident. En plus, Legacy, c'est un terme qu'on a déjà vu, je ne sais pas combien de fois. Ça me semble très simple. Ça fonctionne très bien, et puis si ça peut permettre de les libérer un petit peu. Et ce que j'ai lu l'autre fois que je trouve très intéressant, c'était quoi déjà? Ouais, il y avait un mec qui proposait qu'en fait, en gros, il fasse le manga, et qu'ensuite, Koji Mori aussi, à la fin, publie juste sur un texte, tu vois. Un texte avec, voilà, les seules choses dont je me souvenais, c'était ça. Bon, c'est très compliqué de faire ça, hein, franchement... Les amis, je pense que c'est un projet qui sera compliqué, qu'il n'y a aucune solution qui est simple. Faut bien se le dire, ok, les gars, parce que... Enfin, quand je dis les gars, on se comprend, c'est-à-dire les guys, c'est-à-dire tous ensemble, quoi, folks, tous tels qu'on est, hein, peu importe le genre. S'ils arrêtent le projet, eh, ça fait chier, non? On est d'accord ou pas? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Siska, par exemple? S'ils disent, voilà, bon, finalement, on arrête. Bah, s'ils disent ça, j'aurais préféré ne rien avoir du tout, en fait. C'est-à-dire que là, ils ont commencé, vous nous avez donné des miettes, des croûtes, et vous vous arrêtez là. Non, c'est pas possible. Comme je te l'ai déjà dit... Bon, quand on vient ici, on analyse les chapitres, on dit la plupart du temps ce qui va pas, etc. Mais moi, la première fois que j'ai entendu qu'il allait y avoir la suite de l'histoire, j'étais émue, parce que okay. Comme je trouve que l'histoire, elle est tellement magnifique qu'elle mérite d'avoir celle que Miura a prévue dans les grandes lignes. On aura les grandes lignes, et je trouve ça déjà extraordinaire. Mais c'est vrai que... c'est dur. Voilà. Et toi, Tyrion, qu'est-ce que tu en penses? T'as l'air d'être plus prêt, toi, à abandonner cette... Moi, je suis absolument contre. Hein. Je suis à 100% avec eux. Hein. J'espère que... D'ailleurs, pour tous ceux qui ont lu l'adresse, la fameuse adresse postale, l'ORTF, où tu peux dire « Ça suffit, famille de France, tu peux envoyer ton courrier. » En fait, ça, c'est sur tous les scans. Hein. Vous inquiétez pas, c'est classique de c'est sur tous les scans, c'est pas sur celui-là en particulier où ils se disent bon, est-ce qu'on va se faire taper dessus ou quoi. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses, toi, Tyrion? Du coup, ce que j'en pense, ce serait décevant qu'ils s'arrêtent là. Ce serait en fait un rêve d'échec pour moi de leur part. Et c'est dommage parce qu'en vrai, c'est pas
on peut pas dire que c'est vraiment mauvais ou nul ce qu'ils font. Certes, après, d'un autre côté, je me dis, bon, ce serait pas un drame parce que pour moi, Berserk s'est fini en même temps que Miura, ni plus ni moins. Je suis littéralement en train de dire Berserk Legacy, donc c'est pas un drame pour Berserk si ça s'arrêtait là. Ce serait dommage. D'accord, bon. Alors c'est intéressant comme c'est vrai que là-dessus on diffère vraiment vraiment beaucoup. Hein. Moi je suis pas du tout d'accord. Déjà parce que d'une part la volonté de Miura elle compte un peu. Et puis le projet projet était vraiment bien. Le seul truc qui me chagrine c'est que effectivement Miura de par sa nature et sa façon de travailler a rendu quasiment impossible une relève. Mais si tu veux, le principe, il me plaît énormément. Le fait que Miura lui-même avait envie, en préparant tout ça, le studio Gaga, Duranki, etc., qui préparait le terrain en essayant de dire, voilà, vite, 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 faut que j'apprenne quand même à déléguer. Il y a une vraie volonté de la part du maître. Donc, je les soutiens, quoi qu'il arrive. Moi, j'essaie plus, par contre, de me poser des questions sur comment améliorer... comment améliorer ces chapitres, et c'est vrai que c'est pas évident pour eux de trouver une solution, je veux dire, qui va satisfaire tout le monde. Moi, je vous cache pas que j'aurais pensé qu'ils prendraient plus de liberté, sachant qu'ils en prennent déjà de toute manière pour la mise en scène. C'est un choix d'être dans une peut-être verticalité, là, comme on voit, hein, tout est très... 1, 2, 3, comme ça, là, très horizontal, très aligné. Je sais pas ce qui, toi, te dérangeait plus quand tu en parlais, Siska, il y a plein de choix. Oui, c'était ce côté horizontal, trop horizontal. Si tu regardes chaque case, elles sont toutes, quasiment toutes horizontales. Et ça me dérangeait un peu. Enfin, ça me dérange pas l'horizontalité en règle générale, mais là, c'était trop. Ouais. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez l'accent sur un moment particulier, quelque chose qui te fasse retenir et qui te captive, tu vois. J'étais pas captivée quand j'ai lu ce chapitre. Ouais, je la rejoins là-dessus. Je trouve aussi que ça casse un peu la possibilité de donner une émotion forte à un passage, quoi. Ouais, non, mais je t'écoute, hein, je regarde, hein, vous voyez sur le stream, hein, vous regarderez de façon dans la rediff. Hein. Là, ce que j'essaye de faire, en gros, parce que là, vous voyez bien, hein, c'est pas un excès de, comment dire, de critique ou quoi, parce que c'est vrai que quand on essaye d'analyser, on peut parfois suranalyser. Mais là, non, vous voyez bien qu'il y a effectivement, vous avez vu, hein, je suis passé sur toutes les planches et on est clairement dans l'horizontalité, y compris dans les plus belles, y compris cette double page. Voilà, c'est vrai que là, il y a une certaine rectitude, rectiligne, rectangle. Alors, ça se superpose, Dieu merci, de temps en temps, hein. Mais c'est vrai que c'est pas non plus suffisant, mais bon. En tout cas, c'était très intéressant. Vas-y, pardon, pendant que j'essaie de continuer. Enfin, je me souviens d'une case dans les premiers chapitres. C'était Casca qui avait des flashs. Et il me semblait que c'était une page verticale. Et je trouvais que c'était deux pages verticales à la suite, avec Casca et la cicatrice. Et ça fonctionnait très bien, même si le dessin, bon, il pouvait être... discutable, etc. Mais l'émotion, il y avait quand même quelque chose dans ces cases-là, tu vois. Là, vraiment... Pour moi, c'est qu'en top priorité, j'ai ça. C'est-à-dire, moi, c'est cette explication que je veux, parce que ça arrivait quand même plusieurs fois. Vraiment... Non, mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu je sais pas combien de fois. Surtout que ce qui est très bizarre... c'est que en fait c'était le travail qu'ils commençaient à faire, eux, les fonds, les décors, les personnages, c'était quoi déjà l'expression consacrée, far off in the background. Donc c'était leur taf. Alors je sais pas si c'est vrai que je comprends pas ça pour le coup, parce que c'était vraiment le job de ses assistants de faire les gens dans le fond. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils le font plus, c'est quand même un peu bizarre. On aurait tendance à se dire on aurait eu tendance à se dire que voilà, Guts a pas une tête tout à fait normale en gros plan, mais que du coup, par contre, les fonds, effectivement, les gars sont là, ils font ça, ils font comme ils ont toujours fait. Je sais pas. Là, il y a plein de questions de production, c'est vrai qu'elles seront intéressantes, mais je pense qu'on ne saura jamais. Hein, ils pourront pas nous dire tout. C'est évident qu'ils pourront pas nous dire tout. Parce que voilà. Ça manque de temps. Hein. Ouais, mais c'est eux qui décident, hein. C'est des choix de production malgré tout, hein. C'est eux qui ont un peu décidé de tout
de tout livrer aussi vite et je pense que c'est pas plus mal. Alors je vais essayer de lire, mais en fait en vrai j'ai du mal à être au four et au moulin comme on dit. Je comprends mieux pourquoi Goldie Soul en fait il prend le temps en début de répondre aux questions parce qu'après une fois que t'es lancé c'est trop dur de... Moi littéralement je peux pas m'arrêter de parler et venir lire en fait, hein, c'est vrai. Je comprends pourquoi Goldie Soul il m'a pris comme animateur et qu'il faut son temps avant là pour répondre aux questions. Mais écoutez les amis si vous voulez parler pendant que je lis un petit peu le chat. Parce que c'est Furious TV qui a plein de bonnes idées. Alors lui, il te rejoint un petit peu Casca, Siska, pardon, putain, deuxième fois. Il te rejoint un petit peu Siska sur, tu sais, cette idée des quatre éléments. Mais donc ça, on va en discuter. On va en discuter, Furious TV, t'inquiète. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit, Furious, parce que déjà, Ah ben il si était t'as là un œil au dessus. live précédent et j'aime beaucoup ce qu'il dit en règle générale. Oui, j'avais Ça invité sur matche bien. Discord. Je l'ai invité sur Discord, hein. Si vous voulez rejoindre, il y a le Discord en description. Alors pour le live, il faut que les atomes soient crochus, etc. Il faut faire un petit test avant, mais... Alors, il y a Ivar qui nous dit, pour ma part, la qualité en dents de scie ne me dérange pas, disons que c'est le prix à payer si on veut une suite. Sinon, on ne regarde pas. Bon. Alors, sauf la fin de la phrase, parce que moi, je pense que tout le monde a le droit de... Et puis surtout, quand on a un affect très fort avec l'œuvre. On est obligé de regarder, ça c'est juste pas possible. Même moi j'ai été obligé de regarder 2016, l'animé. Bon, j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop loin. Et là pour moi, cette suite par exemple, ce Berserk Legacy ne m'insulte pas comme l'animé de 2016 m'a insulté. Où là réellement j'ai eu besoin de. Enfin, j'avais trop de violence quand je regardais l'écran. Là non, je suis complètement dans un autre sentiment. Hein. J'ai pas du tout l'impression qu'on est en train de saboter Berserk, je lis. J'ai des envies, j'ai des tristesses, aussi de l'excitation. Je veux savoir qu'est-ce que. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au bout du compte, est-ce qu'on a envie de lire le 370? Moi, ma réponse, c'est oui, 100%. C'est pas du sabotage, ils exagèrent en disant ça quand même. Oui, non, mais tu vas les trouver. Tu vas les trouver, c'est ce qu'il y a les gens qui vont Ah bah oui, partir j'imagine en bien. couille. J'imagine bien. Mais faut quand même prendre en compte le poids qu'ils doivent avoir sur les épaules. Mais je reste quand même contente d'avoir une suite, même si mon petit cœur il est frustré, tu vois. Mais bon. Déjà que rien ne les oblige à continuer, lire et débattre calmement quand ça sert à rien, oui. Alors si, ça sert toujours un petit peu de critiquer parce que déjà ça permet un petit peu de se détendre. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut essayer de toujours garder le cap. D'être constructif, voilà, c'est ça, c'est-à-dire on est ensemble. Et j'avoue que par exemple, moi, il y a un travail qui me plairait beaucoup, c'est plutôt de remplir les cases vides laissées par le choix de Koji Mori, de ne pas trop en faire. Donc ça va être à nous de faire ce rôle. Moi, je pense que ça, c'est pour le coup aux youtubeurs aussi de faire ce job, enfin aux youtubeurs, c'est-à-dire aux fans, à la communauté, de remplir un peu les cases. Alors, est-ce que je serais capable de vous dire pourquoi est-ce que School Night n'a pas réussi ou n'a pas fait plus? Là, c'est vrai que j'aurais bien du mal à vous répondre. Pourquoi est-ce que School Night n'a pas débarqué telle une tornade pour venir en découdre directement avec Zod ou Griffith ou j'en sais rien, ou donner un coup de main à Guts ou lui dire, je sais pas, justement, comme d'habitude, hein, venir lui servir de mentor? Ça, je peux pas vous dire. Là, franchement, c'est vrai que c'est un peu très difficile là, pour nous. Et c'est la partie voilà, qui, moi, me frustre le plus sur ce chapitre. C'est qu'il y a des plot holes, comme on dit, des trous où on se dit, bon, what the fuck? C'est-à-dire que là, on a quand même les plus grands mages de tout l'univers qui sont déjà pris de court. Ça, c'est bizarre. Parce qu'il y a toujours eu cette notion d'oracle, hein, de pré-shot. Donc là, on est censé avoir les maîtres des maîtres dans toutes ces choses-là. Surtout qu'on a le grand mage Genfings Geffings, comment est-ce qu'il s'appelle? Gelfrind, je sais plus. Gelfring. Qui, promis, je me fais un post-it, ok? Je me ferai un poster avec genre comme Wanted. Je ferai Le les grand posters gourou. de... Le kangourou, voilà, c'est ça. Bon, le grand maître. Il dit lui-même, Puck, qu'une toute petite chose reviendra comme une tornade. Alors, est-ce que c'est un pré-shot? Est-ce que c'est une blague? Notre bon vieux Puck, tête de noisette, là.
Moi, c'est surtout ça, en fait, qui me dérange. C'est les trucs où je vais être obligé de me dire, bon, est-ce que réellement Miura avait prévu que Skull Knight ne fasse rien? Waouh! Est-ce que réellement Miura avait prévu qu'aucun de ses mages ou que Danan soit juste là, finalement, en disant « Ah, je me sens pas bien, il se passe quelque chose, vite partons. » Donc, je suis obligé, on est obligé de les croire là-dessus, ça c'est sûr, on n'a pas le choix. On sait que le résultat, c'était leur défaite. Ça, il y a sûr et certain, Miura voulait que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que Elfheim disparaisse, que ce soit Skull Knight, Guts, etc., ils soient à terre, ils aient perdu, ok. Mais comment? Là, il y a quand même moyen de se poser des questions, les amis. Hein. Donc, c'est vrai que si on peut faire de façon un peu positive des uchronies, des scénarios, des... Voilà, des petites... Si vous avez des petites idées, mais là, c'est vrai que c'est un peu difficile. J'avoue qu'ils nous ont donné très, 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 très peu de raisons. Puisque... Justement... Si tu le permets, oui. J'ai une petite théorie là-dessus. Fait, pardon. Vas-y. Je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En fait, ça va dans la conception que j'ai, moi, de... Parce que le monde de Berserk est extrêmement complexe. Hein. Ça va dans cette conception-là. Ce serait comme si le monde astral... En fait, le mieux serait de comparer ça avec une plage. Comme si l'eau venait régulièrement balayer des zones du monde physique. Le monde physique se reformait plus loin. Et de manière continue, comme ça, on... C'est ouais. Pas la première fois que les êtres astraux vont aller plus loin, peut-être dans un monde séparé. Ou... Comme c'est un événement naturel, même s'il a peut-être été forcé un peu par l'arrivée de Griffith, ça expliquerait pourquoi c'est juste l'heure quoi pour les êtres féeriques. C'est pas l'heure de la guerre, c'est l'heure de bouger, comme d'habitude. Une migration qui aurait déjà peut-être survenu il y a 200 ans, 1000 ans. Ok, écoute, j'étais en train de lire en même temps. Il y a de tout, il y a des très bonnes réflexions. Il y a des très bonnes. Alors il y a Ivar qui nous a fait qui nous pose une grande question. Donc encore une fois, les amis, là les questions, mais waouh. Bon, si Puck est parti, est-ce que ça veut dire que cet œuf ne lui était pas destiné? Donc voilà, là on a une fameuse question. La pauvre Betty. Elle est sur la touche là avec Puck. C'est qui Betty? Betty, dis-moi tout. C'est qui Betty? Il l'appelle comme ça. Ah. Sa Berit, il dit touche pas à ma Betty à chaque fois que Guts il a dans la main. Ah merde, ça doit être une variante sur Glénat. Oui, sûrement. Mais sûrement. Écoute, je sais pas. Là, c'est une très très bonne question, Ivar. Voilà, c'est ça que je trouve passionnant, moi. C'est que là, on est en gros les amis. Je pense que le top à faire, c'est de kiffer, de s'imaginer des histoires avec cet univers génial. Moi, je sais que ça m'arrivera de faire des blagues, de manquer de respect, parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature. C'est vrai que moi, au bout d'un moment donné, quand j'ai relu le chapitre 39, je me suis dit que finalement, l'un dans l'autre, c'était plus ou moins une maison de retraite, en fait, ce bordel. Il faut dire la vérité. En vrai, ils étaient tous... tu vois, c'est un EHPAD, en fait. J'avais pas... moi, j'avais en tête, tu vois, Gandalf devant le monstre, là. Je sais plus comment il s'appelle, le truc des enfers. Le Balrog, voilà, tu vois. Mais non, là, visiblement, fallait se calmer. Ça n'avait rien à voir. Ils étaient effectivement en train de se préparer du thé. Vous les voyez, là, hein, tels qu'ils sont. Ah, mais tiens, d'ailleurs, c'est pas la sorcière, elle? Oui, c'est elle au nez crochu, ouais. Ah, mais ça va pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle est là, elle? Elle était pas censée être ailleurs en dissidence. Bah, manifestement, elle a couru, elle devait avoir des bonnes jambes. Wesh, elle a dissidence alors, il faut assurer là. Pourquoi est-ce qu'elle est là, elle, hein? Elle était censée être blacklistée, pourquoi est-ce qu'elle est là? Bon, enfin voilà, donc. Donc voilà, je pense qu'on s'amusera beaucoup plus que. Parce que sinon, évidemment, il y a au choix, soit on sera toujours triste et ça, ce sera toujours le cas. Moi, j'aurais toujours une petite pensée pour Mimi. Mimi! Miura le goat, parce qu'en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il a toujours été en dilettante. C'est-à-dire que... Non, c'est pas ça. Il cabotinait dans ses interviews. J'en ai lu quand même pas tant que ça, parce que quand il a commencé à raconter... j'ai dit le faucon millénaire parce que je suis fan de Star Wars. J'ai fait... Écoute, Miura, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Les sirènes ne font pas pipi. S'il te plaît, ne me dis rien. J'avais arrêté de lire l'interview. Parce que je m'étais dit, vas-y, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas de savoir qu'il est parti tirer des infos comme ça m'intéresse pas.
Je préfère prendre Berserk comme une œuvre telle qu'elle est. Mais en fait, la vérité, pour avoir lu plusieurs œuvres, plusieurs interviews, je pense très honnêtement que c'est parce que c'est dans sa nature et que... Putain, je pense qu'il savait qu'il avait créé un truc énorme. Que c'était un insatisfait, ça c'est sûr, mais que c'était sa façon peut-être de déstresser, j'en sais rien, de dédramatiser, pas trop prendre ça au sérieux. Donc, voilà, je pense qu'on va, on va essayer de rester à son niveau à lui, c'est-à-dire Berserk est un chef-d'œuvre, mais on va essayer d'avoir un peu la tête de Puck, un peu la tête d'Isidro, on va rester pas trop négatif. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, ce que j'ai dit pour cette fameuse question de est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce que ça vaut le coup de suivre ce projet ? Et quoi d'autre, je sais pas, voilà, tout ce qui englobe un petit peu ces questions-là sur les frustrations qu'on a quand on voit des plots all pareil, c'est-à-dire des vrais trous de scénarios qui sont pas évidents. Et on va essayer d'y répondre. Alors, c'est pas mal, mais pour être beaucoup mieux, c'est vrai que j'aurais envie de... Si jamais tu vois une question cool, n'hésite pas à m'interrompre pour me dire... Ouais, alors moi j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. Ouais. Justement, Tiaren, on avait parlé au live précédent, Betty va aller à Isidro. Et Tiaren avait dit ça au live précédent. et justement, je t'étais pas là, j'en discutais avec Tira tout à l'heure. J'ai relu Berserk récemment. Bon, je continue à croire que le BRI tirera pas Isidro, mais ça se tient dans un sens où, en relisant, Isidro, ouais, c'est le seul à avoir un objectif dans le groupe. Il veut être le meilleur guerrier, il veut être plus fort que tous les autres. Et dans un sens, ça pourrait être original si c'est ça. Mais bon, je continue à croire que c'est pas du tout ça qui va se passer, mais ça se tient. C'est une théorie qui se tient en vrai. Même si c'était ma théorie, je la soutiens pas à ce point-là, moi. D'accord. franchement, j'espère pas. Que ce soit Puck ou Isidro, vraiment, j'espère pas. Parce que vraiment là, le level de dramaturgie qu'il faudra mettre en place, de mastermind, tu vois ce que je veux dire, en termes d'émotion, de désespoir, de waouh. Waouh, là, que ce soit hyper dramatique. Ah oui, parce que là, le virage, il est énorme. C'est juste pas possible. Là, c'est vraiment... y compris pour Puck, hein, même si Miura a toujours blagué là-dessus, il n'a fait que blaguer là-dessus. À aucun moment, Puck n'a la personnalité ou ce genre de dont on peut imaginer des nœuds ou des méandres ou quelque chose qui amènerait au même désespoir, à l'effroi qu'on a pu voir dès les premiers chapitres sur la tête du comte. Bien sûr. Non, là, les amis, vous imaginez le virage qu'il faut. Là, il faut un pilote de Formule 1 pour nous faire un truc pareil. Là, il y aurait des divergences d'opinion, hein, ce serait catastrophique. Ouais, c'est ça, il y a l'halluciné. Alors d'ailleurs, j'aime beaucoup ce pseudo-là, l'halluciné. Ben, d'ailleurs, ça fait très plaisir, les mecs. En fait, je suis désolé, je pensais que... Tu sais, sur Twitch, tu parles, et puis de temps en temps, il y a un com, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, les gens sur YouTube, ils écrivent déjà plus. C'est des commentaires plus longs, c'est plus long à lire, tu vois. Mais ça fait très plaisir que vous soyez là. Je vais juste continuer, si vous avez d'autres... toi aussi, Tyrann, hein, si tu vois des trucs qui sont sympas ou vous avez envie de rebondir dessus, on peut y aller avec plaisir, hein. N'hésitez pas, les amis, hein. Parce que moi, j'ai besoin d'aide, hein, pour voir tous ces commentaires. Tyrann ? Ouais. Oui. Enfin, voilà. Si tu as entendu, voilà. Si jamais tu vois un commentaire que tu trouves cool, pensez bien juste retenir le nom de la personne. Tiens, on a par exemple Rising Tiger. Rappelons-nous que Puck, c'est le premier réel compagnon de Guts depuis l'éclipse. Bah, bien sûr. Ça, c'est sûr, évidemment. Donc... D'ailleurs, dans un des commentaires de la vidéo, il y a quelqu'un qui alors, j'ai Delavier en tête, mais je sais plus ce qu'il a dit. Je crois que c'est Shrek Delavier, j'en sais rien. Petite vidéo. Donc, alors, lui, il disait, c'est pas possible. Puck ne va pas disparaître off-screen. Mais bien sûr, je suis bien d'accord avec toi. J'espère bien que Puck n'a pas disparu off-screen. Ce serait, mais... Non, mais je pense que même eux, ils en ont conscience. C'est impossible que Puck ait disparu off-screen. Ouais, mais s'il est toujours là, pourquoi lui n'aurait pas disparu, tu vois ? Faut que ça se tienne aussi. Pourquoi lui n'aurait pas disparu et les autres, oui ? Ça se tiendrait pas ? Ce serait ça pas logique. Ça se tiendrait
Pas du tout. Pas du tout. À part sauf si, par un truchement... C'est magique. Voilà, peut-être que par exemple, il est trop attaché à l'énergie de Guts, qui, ou alors à sa Betty. Ce serait une facilité scénaristique quand même à mes yeux. Alors ce serait une... Mais c'est pas impossible que Miura avait ça en tête. Hein. Ça, de toute façon, tu imagines bien ce genre de point clé. Vraiment les amis, hein, 100% de chance que c'est ce que Miura avait dit. Est-ce qu'il aurait changé d'avis entre temps? Est-ce qu'il l'aurait, il l'a formulé, mais ça a été mal compris? Est-ce que, etc. Il aurait mûri son idée. Voilà, ça c'est sûr, mais c'est certain que c'est pas Kojimori qui a eu l'idée de faire disparaître Puck. Ou si tant est que Puck reste, ce qui est quand même à peu près là, on est à quoi, 50-50? On va pas déconner les amis. Vous n'allez pas me dire que Puck n'est pas là au 370. C'est pas possible. Si. Il ne veut pas être là pour moi. Putain, toi aussi, si se cache te chant partante là-dedans. Là. Vous faites partie du gang. Ouais. Mais... RIP. Bah, moi, je pense que. Tu voulais dire quelque chose, Tyrène? Ah, oui, parce que. C'est pas comme s'il allait juste être supprimé de l'histoire. Je pense que dès le chapitre suivant, on va sûrement avoir un aperçu de où sont justement passés tout ce petit monde. Et sûrement des moyens de communication qui vont peut-être s'ouvrir ou. Ou des moyens de lancer une quête pour retrouver Puck. Ça, j'en suis quasiment sûr, moi. Ah ouais, tu crois? Bah, je pense pas qu'on puisse juste supprimer le perso comme ça et le faire rester, ce serait une incohérence. Donc, c'est la troisième choix pour moi. C'est... Moi, je pense que. Vas-y. Ils vont. Alors, t'as raison dans le sens où ils ont pas complètement disparu, ils ont pas été complètement atomisés, ils sont pas morts, ils vont juste dans une autre dimension, on sait juste pas où. Par contre, je pense vraiment que Puck, on le verra quasiment plus. Et le fait de plus le voir comme ça, Puck, c'était quand même le premier ami de Guts, c'est celui qui le ramenait à son humanité, c'était son Jiminy Cricket, c'est sa conscience, hein, dans un certain sens. Ouais. Et le fait qu'il ait plus ça, c'est vrai que c'est exactement ce qu'il a dit. Amène beaucoup de noirceur et de problèmes à Guts. Bon, même si, bon, Puck, dernièrement, la relation qu'il avait avec Guts, elle n'était pas passionnante. Mais ouais. Je pense que c'est pas anodin qu'ils disparaissent. Et que ça va peut-être laisser une place à une autre entité. Hein, tout le monde sait de laquelle je veux parler. Voilà. Ah oui, la bête. Voilà. Alors, c'est surtout à ça que je pense. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'étais sûr aussi de ce que vient de dire Tyrion. C'est-à-dire que je pense que si Puck disparaît, c'est évidemment pour garder un lien affectif avec ce fameux endroit où Danan a décidé de partir. Donc probablement se replier, évidemment. Même si on n'est pas très sûr dans la traduction, mais ça, c'est évident que c'est pas juste... Je ne pense pas qu'elle soit morte comme Flora. Même si ça pose un gros problème, hein, j'entends bien, on a vu Flora partir un peu comme Obi-Wan Kenobi, hein, elle est partie sans combattre, partie comme ça tranquillement. Est-ce que ça va être le moment? Moi, ce que je me dis, c'est qu'en gros, soit ils vont nous introduire un nouvel univers, donc ce fameux monde des idées dont pour l'instant on ne sait rien du tout. Je rappelle que le chapitre 83 n'est pas canon, il a été rejeté. Ça peut être éventuellement les cieux, parce que c'est la première fois comme le grand mage nous parle des cieux pendant la description de Elfhelm et de l'arbre au monde. On verra. Moi, c'est ce que j'imagine. Hein. J'imagine effectivement, c'est tout à fait possible ce que tu as dit, Tyrion, hein, que du coup, Puck soit notre... notre point d'ancrage affectif dans cette équipe. Tu vois qu'on est d'un côté l'équipe des hommes, donc des humains, pardon. L'équipe des humains avec Rickert. L'équipe divine cristallisée autour de Puck. Et puis au milieu, les strugglers. Donc je sais pas comment on dit ça en français, hein, mais ceux qui en chient. Ceux qui sont les deux pieds dans la mouise. Et qui sont donc le groupe de Guts. Avec Shirky, Farnes, Serpico, et qui voudra bien. Moi, à mon avis, on est plutôt sur ça.
était bien dans le plan. Donc n'hésitez pas, hein, la Lise, je sais pas trop si vous êtes encore dans le... Bah, moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Il me semble que c'est pas indiqué. Est-ce que tous les mages sont restés ou ont disparu? Je suis pas sûr. Je sais qu'il reste quelques mages à la fin. Ouais. Mais les plus grands, justement, là, en parlant de notre grand gourou. Gourou, là. Ouais, le grand mage, ouais, bien sûr. A-t-il disparu ou pas? Je suis pas certain, en fait. Ben, ce qui est une très bonne question. Qui est un être totalement 100% éthéral dans le lot et qui est encore un être physique? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Bon, visiblement, la monarque Danann, elle faisait partie du lot. Elle a même mené l'exode, elle a démarré. Mais c'est vrai que beaucoup de gens imaginaient que sa vie était liée au cerisier sacré de Elfhelm. Mais visiblement, comme y compris les sirènes ont disparu, c'était quelque chose de global. Donc c'est, là, pour le coup, il y a encore une certaine forme d'incohérence. Hein, c'est-à-dire que c'est pas logique du tout. C'est un peu ce que je disais dans la review. Le problème, c'est que le monde éthéral est déjà dans le monde physique. Les deux sont liés maintenant. Donc, où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'ils vont? Qui? Pourquoi eux? Pourquoi pas eux? Tout ça, c'est des grosses questions qui sont quand même assez complexes en vrai. C'est vrai que, à la limite, pour la cohérence de l'œuvre, c'est très compliqué que les sirènes partent. Parce qu'a priori, elles n'étaient pas dans le royaume d'Elfhelm. On va dire ça comme ça très simplement. Elles, on les a rencontrées bien plus loin. Attendez, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on les a rencontrées juste en arrivant près d'Elfhelm? Sur une île juste avant Elfhelm. Mais attends. Elles sont considérées comme des êtres astraux, il me semble. Hein. Alors, oui, mais là, de toute façon, il est évident que c'est pas sur toute la planète. Hein. On est d'accord. Mais justement, je me pose la question. Je trouve ça curieux. Tu vois. Je suis pas d'accord avec toi, Niki, pour le coup, désolé. Pour moi, c'est toute la planète. Mais vas-y, s'il te plaît, fais. C'est tous les êtres astraux qui ont une certaine nature, en tout cas. C'est-à-dire que je pense que tous les acolytes, eux, c'est sûr et certain, ils sont restés sur place. Mmh. L'œuvre, elle n'a pas juste décidé de se barrer. Donc, je pense que tous les êtres astraux qui étaient sous la régence de la reine, et qui n'est même pas vraiment une fée, qui est une espèce un peu à part, c'est pas... elle aura un pouvoir sur tous les êtres astraux qu'elle dirige, et par conséquent, quand elle choisit de partir, ils partent tous, nécessairement. C'est pour ça que, par exemple, Isma... et part aussi, même si elle ne le voulait pas, même si elle a vécu toute sa vie en tant qu'humaine. Je suis assez d'accord. Donc voilà, je pense que Warzizi a dit de façon plus simple, c'est tous les gens gentils qui ont des pop. Et effectivement, c'est assez simple. Qu'il a raison, le voilà, c'est ça le pire. On va résumer, ouais. Voilà, faut dire les termes, on dit les termes. Voilà, effectivement, je pense que c'est tout simplement toute forme d'espoir. Le mal, c'est terrible. Alors d'ailleurs, il faudra jamais oublier, les amis, moi j'ai peut-être pu me perdre des fois en disant que finalement, ce fameux idéal de royaume universel de Griffith est c'est une utopie qui peut donner envie à l'humanité depuis très très longtemps de chercher le monde parfait. Où tout le monde est heureux et peut vivre ensemble, etc. etc. Sauf que il faut bien, faudra jamais oublier que en dehors de Fantasia, de Falconia, pardon, en dehors de Falconia, c'est la merde, c'est la mort absolue. C'est-à-dire c'est le monde astral qui est là partout. C'est-à-dire tu vas vous connaissez l'histoire, hein, tu vas planter tes choux et t'as la fille qui vient te mettre un coup de faucille pour manger tes intestins. Enfin vous connaissez l'histoire, vous avez vu tout ça. Donc effectivement, en dehors de Falconia, c'est l'enfer absolu. Donc est-ce que c'est pour vraiment détruire absolument les toutes dernières poches d'êtres magiques qui étaient éventuellement encore mélangés dans le monde astral? C'est une façon de voir les choses qui est quand même assez complexe, mais c'est possible. Là, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de ça. Alors, est-ce que c'est un plan caché de Griffith? Tout ça, c'est très intéressant. Ouais, il y a un petit... Bah là, ça, c'est sûr. Hein. Là, halluciné, on y a à 100%. Griffith, franchement, en vrai, il faudrait faire un live dédié parce que c'est tellement un personnage intéressant à ce sujet-là. Que, à mon avis,
Ce qu'on avait en tête comme sujet, c'était quoi? C'était Puck. Est-ce que Puck a disparu? Là, on en a plus ou moins parlé. Qu'est-ce qui est arrivé à Elfhelm? Et c'était quoi le dernier? Il y avait éventuellement, quel est le plan de Griffith? Et il y avait plein de vos questions. Oui. Voilà les trois choses qui nous restent pour cette fin de live. Le film au monde m'a donné une telle excitation, impatience, mais bien sûr, Rising Tiger, on le dira jamais assez. C'est juste incroyable, je veux trop que Guts les domine tous, c'est satané. God Hands. Ah là 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 là, mais oui, je comprends. Bon, ce temps est révolu, hein, faut dire la vérité. Griffith est arrivé à un tel niveau de super pouvoir que là, à ce stade-là, il faut complètement autre chose. Hein. Il faut un autre scénario que d'imaginer Guts y arriver avec ses propres moyens. Franchement, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que Miura avait de toute façon, je l'avais dit aussi à un autre live, mais moi j'ai l'impression que dans cette zone grise qu'il a créée avec cet idéal, cette utopie de Falconia, qui est une vraie utopie forte, hein, d'accord. Moi c'est un truc, par exemple, si tu me parles de Sonia, moi Sonia pour moi c'est une psychotique. Je me pose même pas la question. Je sais, j'en ai déjà croisé, c'est très facile, vous allez dans un HP, vous verrez tout de suite, vous les reconnaissez tout de suite, d'accord? Sonia est un personnage inquiétant, on va dire ça comme ça. Et moi, je lis dans le Wikipédia, oui, la jeune fille, un peu la mascotte, je vais voir dans le Delta Book, oui, la gentille fille, un peu la mascotte, je me dis, mais vous êtes sérieux? C'est Sonia, quoi! Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un peu cette idée que Falconia, c'est une sorte d'utopie. Voilà, un peu positive. Et à mon avis, je pense que Miura avait quand même besoin, pour des nécessités scénaristiques, d'antagoniser un petit peu plus le monde. Même si c'est quelque chose que lui n'aimait pas spécialement faire, ou en tout cas ce qu'il aimait faire, c'était inverser les rôles, c'est-à-dire faire des anges des démons des sauveurs. Il aimait bien inverser un petit peu toutes ces choses-là. Donc les inversions, ça c'est super, c'est très riche, c'est très intéressant. Mais il y a un moment où l'antagonisme, il commençait à être trop flou. Parce que effectivement, si Guts, lui, tout ce qu'il pouvait proposer, c'était la mort, hein, ce fameux arc de la conviction. Et puis surtout, sur un côté très égocentrique, entre guillemets, parce qu'il y a quand même... je pense que Guts est... Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est juste que j'avoue que j'ai du mal à... Tu vois, c'est des sujets compliqués. Mais bon, en gros, Guts, qui pour moi représente l'ego, le surhomme, la personne vraiment, c'est... Voilà, si t'es un esclave, si t'es digne d'être un sacrifice, c'est de ta faute. Soit tu te lèves et tu fais face, soit t'es rien. Bon, il y a un côté quand même très, très, très dur hein, chez Guts qui s'est adouci grâce à son voyage avec ses nouveaux amis, Shirky. C'est pas Puck. Puck, c'est pas Puck. Puck, je pense qu'il aurait fini à le secouer comme une salière jusqu'au bout. Mais par contre, effectivement, avec surtout le retour de Casca, qu'il a complètement... Et puis voir que lui-même, réellement, est en train de devenir un monstre, c'est tout ça qu'il a vraiment travaillé. Et d'un autre côté, on a ce Griffith qui, là, pour le coup, réellement, hein, réellement, concrètement, essaye de faire en sorte qu'il y ait un royaume universel, etc. Putain, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, Griffith faisait des choses associées à des choses positives. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui sont genre l'unité, je sais pas moi, permettre aux gens de voir leurs proches qui viennent de mourir. Il y a plein de choses que Griffith faisait qui ne correspondaient pas à un espèce de tyran ou à un espèce de monstre. Au contraire, il a tué Ganishka, il a empêché les monstres du monde astral de s'adonner à leur carnage. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, il a donné aussi un cap à tous ces monstres. Hein ? Tous ces monstres ont arrêté de mal faire. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, Locus et compagnie. Là. Ils étaient en train visiblement d'attendre tranquillement. Mais même Zod ou qui que ce soit d'autre, tous ces gens ont maintenant un cap. Donc Griffith était quand même en train de faire des choses extrêmement positives. Et ça, je pense que c'était une... Moi, je vivais ça comme une sorte d'erreur de Miura. Hein, je me permets de dire ça, hein, excusez-moi, mais c'est mon avis. Je trouvais que ça rendait l'œuvre trop grise. Là, à ce stade, c'était trop flou. Je comprenais plus où est-ce qu'il voulait aller, comment est-ce qu'il allait résoudre. Et donc,
tout ce long putain de tunnel juste pour dire que, à mon avis, ce qu'il essaye de faire enfin maintenant, c'est créer un pôle qui ressemble réellement au paradis, aux cieux, au bien-être, etc., aux gens qui nous veulent du bien, à la lumière, et que Danan a probablement rejoint ce pôle, et que ce pôle va nous être présenté dans l'œuvre. Waouh ! Ça, c'était un tunnel. Je suis désolé, les amis, ça a été super long, j'espère que c'était assez clair. Oui, oui. Ok. Pas d'accord avec tout ce que t'as dit, mais... Eh ben, merci. Alors, s'il vous plaît, prenez la parole, là. Là, je pourrais me faire taper. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit « je parle trop », ben là, franchement, pardon. Allez-y. Alors, moi, juste pour revenir sur l'utopie, de ce que tu disais sur l'utopie, on en a discuté en off, mais je voudrais rebondir sur ton live. Moi, je pense que l'utopie est un doux mensonge dans l'œuvre, que Miura avait clairement une idée en tête en faisant ça, comme pour son discours sur la religion, son discours sur la nature humaine. Et je pense qu'il avait une grande idée derrière la tête en faisant ça, et que ça n'allait pas rester comme ça éternellement. Dans le sens où c'était vraiment un doux mensonge, et surtout quand on voit la scène avec Rickert qui visite le pandémonium, où on voit bien tous ces démons qui sont à fleur de peau et qui n'attendent qu'une chose, c'est que les choses bougent, justement. Donc, je suis pas d'accord sur le fait que Miura voulait insister sur l'utopie, etc. Même si, bien sûr, que Griffiths est un personnage, au final, qui est gris et non tout noir ou tout blanc, mais je ne suis pas totalement d'accord, voilà. Et juste aussi, avant de terminer, sur la suite, avant de savoir, de connaître les plans de Griffiths, que tu parlais des plans de Griffiths tout à l'heure, je voudrais, avant de connaître les plans de Griffiths, savoir d'abord comment ça se déroule au niveau de l'Enfant de la Lune. S'il coopère, si chacun agit à sa manière, aux dépens de l'autre, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit éclairci. Mm-hmm. Et je pense aussi, bon, une dernière chose, je pense que Griffiths, ce qui m'agace sur Griffiths, c'est que depuis le tout début, depuis qu'il est revenu, on ne l'a pas une seule fois vu hausser les sourcils. On ne l'a jamais vu surpris une seule fois. Jamais, jamais, jamais. Comme s'il savait tout à l'avance. Comme s'il connaissait tous les plans de causalité de l'univers. Comme s'il savait que le cerisier allait se péter la gueule, etc. etc. Donc, alors, on aura les réponses plus tard, mais... C'est très intéressant ce que tu dis. Je sais, est-ce que tu veux répondre aussi, toi, Tyrael ? Non. J'essaye de me souvenir un peu des... Pour moi, franchement, l'utopie... Je ne l'ai jamais vu comme une utopie. Pour moi, c'est clairement le setup de l'enfer qu'il est en train de faire. Mm-hmm. Forcément, ça allait... Enfin, l'aspect positif allait finir par s'effondrer. Et clairement, ce qu'il a mis en place, c'est un monde qui est déjà complètement collé avec tout ce qui est justement les démons, l'armée de monstres qui attend que ça, le moment où ils peuvent se déchaîner... C'est comme si, à un moment, l'humanité serait condamnée à devoir choisir le camp de Griffith de manière inconditionnelle et que ça reviendrait à abandonner leur propre humanité. Et ceux qui résisteraient mourraient tous, ou quelque chose comme ça. C'est... Parce que là, comme tu le disais tout à l'heure... C'est déjà dans, le cas. C'est important. Vous avez bien compris que c'est déjà le cas. Moi, j'ai pas fait un... Comme disait halluciné, c'est ça. C'est bien sûr que c'est une ode à, enfin une ode, une allégorie du fascisme. C'est-à-dire que en dehors de Falconia, voilà, j'espère que j'étais assez clair. Hein. En dehors de Falconia, l'humanité n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire si tu veux aller vivre ailleurs, on va te montrer, et on te cherchera que ce soit même au milieu de l'océan. Et on tient quand même à rappeler que. Au milieu de l'océan, ils se sont fait attaquer, y compris par l'espèce d'hydre pirate des Caraïbes, là, je sais pas quoi, le truc infernal, là. Il y avait plein de monstres, y compris dans l'eau, quoi. Donc, il n'y a vraiment aucun endroit où tu peux fuir. Et ça n'est pas que lié à Guts, c'est lié à l'état de Fantasia, là.
Totalement, Falconia, c'est le seul endroit sûr qui existe à présent. Mais pour moi, c'est pas encore l'étape suffisante. Là, parce qu'il y a encore un lieu safe où les gens peuvent vivre normalement. Et je pense que Griffith va. C'est mentionné à un moment, Griffith va pas s'arrêter là, il va vouloir plus. C'est devenu sa nature d'en vouloir plus, de vouloir contrôler plus. Et il va dépasser ce stade de vouloir simplement son royaume. Et pour ça implique d'abandonner plus ou moins, je pense, les humains. Et ce sera vraiment la fin à ce moment-là. Ouais, c'est Guts qui dit ça. Un sacrifice de la ville, peut-être? Mais dans quel but? C'est un peu ça le problème, parce que là, normalement, on a tout. Et c'est ce que, quand même, malgré tout, après, il faut ce qu'on a comme cadre, comme limite, on va dire, comme horizon, c'est que Miura lui-même disait, voilà, on arrive dans les final stages, hein, on arrive à la fin, dans les étapes finales de l'œuvre. Donc, on peut imaginer que le grand cadre, le grand théâtre est plus ou moins posé. Donc, la partie négative autour du projet de Griffith, c'est que en dehors de Falconia, aucune paix n'est possible. Ça, c'est il y a effectivement un absolu, un esprit de Sith, un Sith Lord dans l'absolu. Et on a notre petit Guts qui veut, a priori, qui avait l'air d'avoir presque un peu moins envie de se venger que de sauver Casca pour la première fois. Et puis là, finalement, c'est vrai qu'on l'entend pas, on l'entend pas dire Casca, on l'entend pas effectivement. C'est vrai Moi, je... qu'il n'a pas une seule fois crié son nom, hein. Moi, ça m'a beaucoup surprise. C'est quand Gozot s'envole, il crie pas Casca! Tu vois, un truc du genre. Non, non, il est complètement pris au dépourvu. Ouais, ça c'est un des reproches qu'on a fait. J'essaye de relire. Alors, ce que Guts nous avait dit sur le Discord, si c'est toi, hein, je pense à un Guts Berserk, je pense que c'est toi. Tu nous avais dit un truc super intéressant. Tu avais dit, c'est pas impossible que, genre, quand Griffith est venu, il est venu juste pour détruire l'île. Donc, avec ce programme, hein, comme je vous ai dit, c'est-à-dire c'est un nid à terroristes, c'est le nid des mages. Sauf lui, il savait pas que c'était un EHPAD. Lui, il pensait qu'il allait trouver, comme je vous ai dit, les archimages, les plus puissants des utilisateurs de la magie. En fait, il a trouvé des vieux qui faisaient du thé. Mais bon, bref. Et du coup, il a quand même tout détruit très facilement tout seul. Comment on appelle ça, effet collatéral, par hasard, il se trouve que la présence de Casca, surtout, j'imagine, ou Guts, ou les deux ensemble, bref, ont trigger, ou en tout cas ont éveillé ce petit enfant, l'enfant de la pleine lune, et que c'est en fait l'enfant de la pleine lune qui a forcé Griffith à sauver Casca de ce lieu pour qu'elle ne reste pas embarquée dans le torrent de matière noire. Voilà, ce serait peut-être une des explications, parce que c'est vrai qu'après tout, qu'est-ce que Griffith en a à faire de... Je veux dire, Ou alors c'est l'enfant qui agit peut-être. en détruisant l'île carrément. Non, 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 juste en venant la chercher. Et le fait que ce soit Ah. Griffith qui vienne la chercher, ça le mal, vu qu'il est trop imbibé de mal, ça fait un truc à l'île, tu vois. Ouais, mais il y a Zod. Et Zod. Ah, parce que Zod, c'est le chien de Guts, c'est le chien de Griffith. Au lieu, j'ai fait un Ouais. lapsus. Oui, Il dérange. c'est celui qui a pris la place de Guts, effectivement. Mais Oui, c'est vrai. je pense qu'en fait, il y avait Griffith qui avait vraiment ce programme. Mais que ce que je comprends pas trop, par contre, c'est que je l'aurais vu. Soit il a tellement confiance en lui, et c'est un de ses traits de la personnalité de Griffith, c'est qu'à un moment donné, ça lui monte à la tête, et là, c'est pas que à la tête, c'est. Là, c'est monté jusqu'à la lune. Hein. À ce stade-là, c'est vrai que je pense qu'il doit être. Comme tu dis, il marche sur l'eau, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de. Donc peut-être qu'il s'est dit à moi tout seul, voilà, j'ai même plus besoin de Sonia, j'ai plus besoin de rien. Il y a Zod qui est venu juste comme tu as dit, parce que peut-être même qu'il s'est forcé lui-même à venir, il s'est invité de force. Ou alors parce que c'est devenu son moyen de locomotion, son nuage Des deux supersonique. peut-être, ouais. son nuage magique, là. Putain, j'abuse, hein, franchement. Bon, bref, Dans Zod. un sens, un petit peu quand Non, c'est n'importe quoi. Bon, C'est bref. devenu le taxi, hein, C'est Zod. taxi C'est triste, Zod. hein, le pauvre quand même.
Bah, lui il qui en voulait, avait plus quand même dans son background, mais non, c'est devenu un taxi. C'est vrai que normalement, il aurait dû quand même essayer de lui mordiller un petit peu le... Hein, il n'aurait bah, pas dû... Il ne pouvait pas lui s'empêcher de discuter avec Guts quand il le voyait. Tu sais, il aimait bien lui discuter, tout ça. Non, non. Un petit coup de patte et voilà, c'est terminé. Pardon, je lis. Hein. Donc, comme je vous ai dit, hein, les amis, n'hésitez pas à lire les coms hein, s'il y a des choses que j'oublie. Hein. S'il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas. C'est les cœurs de champignons sur la TV. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Voilà, moi, je pense que Griffiths, en fait, il a dû se dire j'y vais. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Siska, c'est peut-être sa simple présence qui a fait faner le cerisier sacré. C'est peut-être effectivement juste parce que... On n'a pas d'autres éléments pour... Enfin, pour moi, c'est ça qui s'est passé, vu qu'on n'a pas d'autres explications. Je suis d'accord. Ce qu'on sait... Pardon. Ok. Je pense que peut-être qu'il a repris sa forme de Griffiths, quoi, à l'arrivée de Zod, justement. Quand Zod est arrivé, ça a dû perturber quelque chose, et du coup, il est redevenu ce qu'il était, sa vraie nature. Et là, réaction en chaîne, tout explose, hein, parce que voilà, c'est plus ou moins ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Alors par contre, moi, je pense qu'il est arrivé parce que la pleine lune était simplement terminée, de ce que j'ai compris. Ça fait longtemps qu'elle était la pleine lune, alors. Ah, ouais, mais tu sais, comme le temps, il se découle différemment dans l'île, il a pas dû faire gaffe, donc j'en sais rien, c'est ce que je me dis. Et comme le temps est différent, il s'est dit « Ah merde, la pleine lune, elle dure plus longtemps sur l'île. » Et enfin, voilà. Je pense qu'il n'est pas rentré à temps, tu vois. La première fois qu'il ne sait pas quelque chose, quoi. Qu'il est surpris. Oui, non. Je pense que... Alors, d'ailleurs, je tiens à dire, tu sais, pour cette histoire du temps qui se s'écoule différemment, comme j'ai relu l'œuvre parce que je prépare une vidéo... j'ai bien relu l'histoire du vieux, tu sais, du vieux pendant le village là de Enoch. Et il le dit bien que quand il revient, sa mère avait vieilli, mais qu'il a quand même réussi à la sauver. Donc il y a le temps passe, mais il passe dans le sens où, comme tu avais dit, on va probablement retrouver, probablement, c'est pas certain, mais c'est probable qu'on retrouve un Rickert au moins légèrement plus âgé. C'est ouais, pas impossible. C'est cool. Oui. Je trouve que ça serait trop cool qu'on le voit genre. Ouais. 3 ans, tu sais, qu'il s'y soit découlé peut-être 2-3 ans, qu'il soit un petit peu plus grand, devenu presque un homme au final, ça pourrait être très original. Alors, c'est vrai que ça va aller, j'espère que... Mais ça doit faire partie des fameux croquis, ouais, en français, voilà. Croquis que laissé par Miura, par exemple, un Rickert plus âgé. Ça peut vraiment faire partie des... Putain, moi, franchement, au début, quand j'ai commencé à lire, j'étais quand même à donf, enfin... Regardez là, donc c'est vrai que je suis sûr qu'il doit y avoir des mauvaises langues, hein. je le dis, hein, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des mauvaises langues qui vont dire ça c'était déjà fait. Mais en fait, quand on regarde bien, là déjà il y a deux holos de Bleach. Non, je rigole, c'était pas ça, mais là c'est des holos. Alors, ça, franchement, moi qui j'ai bien pratiqué Bleach, là on a deux holos et magnifique d'ailleurs. Mais regardez là aussi ce nez, c'est quoi ça, le tarin là? Pourquoi ils en prennent le tarin? Voilà, eux ils ont deux beaux nez là. Ils sont bien leur nez, ils peuvent pas donner un peu de nez à celui-là. Ils lui prennent un petit peu de nez. Ils avaient peut-être épuisé le budget nez. Hein. Budget nez, oui, c'est ça, c'est eux qui ont tout gratté. Lui, il a pris. Ils ont pris le budget nez. Bon, j'arrête mes conneries, pardon. Donc, comme j'imagine que c'est à ça que tu disais, tu pensais, toi, Siska, tout à l'heure. Hein. C'est vrai que là, on a une belle. Belle verticalité. C'est surtout quand on la voit nue. Mais oui, tu vois, je trouve que la verticalité apporte vraiment plus de choses dans le dessin. Ah merde, c'est vrai qu'on la voit nue. Mais c'est surtout les pages d'après. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu ce chapitre, ah, mais elle va se tenir. Il faut que je passe ça assez vite. Hein. Je peux pas. En plus, voilà. Hein. Tu vois, non, moi je peux pas. Ouais, non, mais là c'est vrai que. Là, c'était plus fort. Moi, je me souviens, de toute façon, il suffit de voir les reviews. Hein. Moi, j'étais excité comme un fou. Hein. Comment ne pas être à donf, hein. Elle est forte, cette... Donc, il ne faut pas perdre espoir, les amis. Alors, moi, il y a juste ces putains de traits, là. C'est vrai que j'en peux plus. Hein. Je ne veux plus les voir. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un bruit numérique. C'est dommage. Hein. C'est dommage.
Bon, en plus, visiblement, j'ai tapé trop loin parce que moi, ce que je cherche. Oui, ça aussi, c'était vraiment bien. En plus, c'est pas ça que je cherche. Je cherche le moment où il y a le School Knight qui explique qu'est-ce qui s'est passé et il explique un truc en disant il y a eu un. Ce ah, chapitre, c'est le dernier chapitre qui est sorti, ça, en principe. Bah non, c'est moi qui ai pas téléchargé. C'est moi le méchant. J'ai pas téléchargé le 367, c'est peut-être ça le problème. Je vais aller le chercher sur le côté. On the side. Excusez-moi, les amis. Je pensais avoir tout téléchargé, mais en fait, non. Donc ça doit être le 367. C'est pas le 368. Bah, je pensais, je veux bien essayer de le revoir, mais le problème c'est que je peux pas avec une seule main chercher et je suis peut-être que je me suis trompé. Ah c'est ça. Ouais, t'as raison. Celui-là c'est le dernier, hein. Enfin, c'est l'avant-dernier, ouais. Ouais, l'avant-dernier, ouais. Ok, merci, Ciscatation, merci beaucoup. Alors j'enlève ça. Hop. Tchoum. Alors on va aller lire très vite fait, hein, y a pas besoin, mais. Donc cette nuit, un rayon de lumière aveuglante a traversé ou a transpercé cette île. D'accord ? Ce flash a réouvert une fissure, d'accord ? Qui a servi de passage à travers. Voilà quoi. Voilà comment est-ce qu'ils sont arrivés ici. On peut même dire qu'a priori, ces esprits sont les anciens maîtres de l'île. Donc là, on était parti sur le pétrole, hein, vous vous souvenez, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. Globalement, oui, cette masse noire, de toute façon, c'est des esprits, c'est des fantômes, c'est des spectres. C'est une sorte de... C'est un mix-up entre Ghostbusters, l'Erika et... Je sais pas quoi d'autre, un truc infernal de l'acide absolu. Donc, voilà. Donc, ce qui nous explique... Moi, ce que je trouve un peu intéressant comme théorie là-dessus, c'est que je pense que Griffiths a, pour... une toute autre raison que School Knight, trouver un moyen de voyager à travers les dimensions, mais lui, en passant par les souterrains, par le monde souterrain, par le monde astral. Donc ça, on va rentrer plutôt sur cette page-là, tu sais, la fameuse page. Merde. Tu parlais de Griffiths ou du School Knight ? J'ai pas Non, pas School Knight, lui, ça fait longtemps, ouais. il a eu le temps d'assez bien exprimer ses petits tours de passe-passe. Notre cher School Knight a en fait une épée qui lui permet de couper l'espace-temps, puisqu'il utilise les B-Elite. En fait, c'est une sorte d'épée qui permet du coup de couper quoi. De traverser les dimensions. Voilà, il a une épée coupe-queue, il a coupe-fil. Il a un truc qui permet de le couper. Donc notre cher School Knight, lui, il coupe ce qu'il veut et après il se déplace comme il veut. Mais du coup. La fameuse théorie qui est expliquée par Sonia, par le grand mage sur cet arbre-monde où du coup il fallait prendre les branches pour pouvoir se déplacer, etc. Je pense que Griffiths a lui trouvé un autre moyen qui repose sur des sortes de canons de chemin de dragon. Et donc je pense que c'est ce qu'on voit ici. Je pense qu'en fait, Griffiths a littéralement tiré une espèce de coup d'énergie spirituelle, ouvert une route du dragon. Et que ce qu'on voit là, c'est plutôt ça, en fait. C'est cette sorte de nuage atomique qu'on voit. C'est vraiment le coup de c'est ce que Griffiths a créé pour passer par le monde astral, en fait, en souterrain, tu vois. Je suis pas du tout d'accord. Alors juste avant de parler de cette image-là, tu dis qu'il se déplace comme ça, mais quand si tu peux remettre... Vas-y, je t'écoute, sinon je vais partir avec Furious TV, on va discuter avec lui. Si tu peux remettre l'image juste où la dernière image de Guts, justement, avec les branches... Quel chapitre, du coup ? La dernière image du chapitre, on voit Guts et les branches, et si tu regardes bien les branches, on voit une fine traînée. Et pour moi, ça, la fine traînée, c'est Griffiths qui s'est échappé avec Casca et l'étoile filante, hein. Ouais, l'étoile filante, je pense que c'est ça, surtout que dans les derniers tomes de Miura, quand l'enfant de la lune est sur le bateau, la dernière image où il part du bateau, il est sur les branches et il s'en va dans une longue traînée filante exactement de la même manière. Donc pour moi, c'est ça. Par contre, l'image... Est-ce que tu aurais moyen de retrouver...
Non, je me rappelle plus. Quel tome c'est. C'est après avoir tué le dieu des mers, l'enfant s'en va pendant une nuit de pleine lune et il Vas-y, part tu dans voulais une autre partir sur île. ça. Tu voulais partir sur ça, excuse-moi. Voilà. Tu disais par contre dans Cette cette image. image-là, pour moi, c'est une référence aux quatre rois cardinaux. C'est exactement la même image que quand Shirk a invoqué les quatre rois cardinaux sur l'église, là, quand il chassait les trolls, mais également quand Farnèse a créé sa grande protection du bateau avant de tuer le Sea God. Donc pour moi, c'est pas du tout lié à Griffith, ça, vraiment. C'est vraiment lié aux quatre rois, quoi. Je sais pas pourquoi ils sont là, pourquoi ça explose comme ça, mais pour moi, cette référence, elle est liée à ça. Cette référence est liée à ça. Ouais, c'est Ça, personnel, hein. On n'a pas les non, non, réponses, il donc faut qu'on voilà. argumente. Ouais. Donc, enfin, au moins qu'on réfléchisse. Hein, on donne pas juste nos avis, on réfléchit un petit peu. Donc, on va imaginer que de ce phénomène, là, on voit la queue de comète qui est ici, hein, cette toute fin, où on voit que c'est effectivement une sorte de reste d'une autre dimension qui se referme. Alors, ce qui moi m'emmerde beaucoup dans cette théorie, c'est que Miss Tinguette, elle est encore là, tu vois. Autant on aurait eu ça, par exemple, avant de voir Griffith tout seul sur l'île, sur son rocher. J'aurais vraiment compris que, en gros, comment dire. Tu vois, tout ça, ben, c'était plus ou moins, allez, on va dire, Danann et son peuple, tu vois. Tous les êtres éthérales qui étaient rentrés dedans, sauvés par un des quatre. Points cardinaux, un des quatre, etc., machin, je sais pas quoi, que ce soit un acte de magie. Là, c'est un peu ce que vous imaginez, quoi, du coup. C'est que, en gros, ça, ce soit l'ascenseur. L'ascenseur qui Ouais. permette un peu aux êtres de la magie de partir et de quitter le monde physique. Ou peut-être la protection, peut-être qu'il y avait une protection justement des quatre rois cardinaux sur l'île. Et peut-être que là, elle se brise, cette protection, et qu'il y a cette explosion, des quatre rois qui s'en vont, ou un truc du genre, tu vois. Alors, bon, moi je vais être très très simple là-dessus. Donc, je t'entends un petit peu, Furious TV. Hein. J'ai vu, bon, t'écris beaucoup, frérot. Moi j'essaye de lire, mais t'écris quand même pas mal beaucoup, attention. Parce qu'après, c'est dur, tu vois, de lire juste dans ce sens-là. Alors, pour moi, le problème de cette idée d'essayer d'imaginer les plus puissants sorts de protection, les plus puissants des dieux positifs. Des esprits, des fées, des anges gardiens, de tout ce que vous voulez. Moi, mon gros problème que j'ai avec ça, c'est que on les a pas vus du tout dans l'œuvre. C'est-à-dire ni directement, ni indirectement. C'est-à-dire que il faut pas oublier, les amis, que y compris Guts a pu arriver dans l'île. Qu'est-ce qu'il a dû C'était des booby traps qu'il avait. C'est-à-dire, c'était des blagues de jeunes apprentis. C'était bon, alors des blagues, on en serait mort, nous, bien sûr. Hein, mais pour Guts, c'était quoi? C'était des épouvantails, des bonhommes de glaise, des petits golems mignons, je sais pas quoi. Et jusqu'à ce que l'autre, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, désolé, la petite rebelle, envoie un grand truc en feu, là, j'ai oublié son nom. Pourquoi est-ce que vous imaginez que du coup, d'un seul coup, on aurait ces grandes forces lumineuses les plus puissantes, c'est-à-dire quasiment l'équivalent des God Hands, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est à peu près ça l'idée, hein, l'équivalent des God Hands qui seraient juste comme ça suggérés, sans aucune raison, sur une seule case. Moi, je pense que c'est la protection qui se brise. Mais elle est brisée, la protection. Bah oui, mais justement, ça, il le montre à l'image, tu vois, la protection astrale des quatre rois vole en éclats. Je pense que c'est ça qu'ils ont Où voulu tu vois mettre en qu'elle scène, vole en mais si c'est éclat? mis vraiment, si c'est ça, c'est vraiment mis en scène vraiment maladroitement. Mais je vois pas, je trouve que ces courbes, c'est tellement évident, c'est vraiment reproduit à la lettre. Pourquoi ils auraient choisi ces courbes-là plutôt qu'une autre, tu vois, Ouais, vis-à-vis de ça? parce qu'en plus, tu sais, je t'ai dit Furious, hein, moi j'essaye de lire, et donc si tu m'envoies, tu vois ce que je veux dire, après ça, si quelqu'un d'autre a écrit, je verrai même pas, tu vois. Alors, j'essaye d'être encore plus clair, Furious, ok? Essaye d'imaginer que c'est les quatre fantastiques, ou j'en sais rien, genre les plus puissants des tout puissants. Moi, c'est un peu ce que j'avais dit aussi. Il y a un moment donné, Gandalf, il est où?
Je veux dire, si vous vous imaginez que c'était un acte de magie, pourquoi est-ce que ces grands mages n'ont pas été capables d'invoquer les plus puissants des sorts connus dans l'humanité? Et parce que, encore une fois, là, ce petit groupe de vieux, on a normalement les mages les plus puissants de toute l'œuvre, puisqu'en plus, la plupart sont très très vieux, hein, si je dis pas de conneries. Flora, je sais plus quel âge elle avait, mais... Il est très vieux, là. Ah bah, il y a au moins 1000 ou 2000 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà, 1000, ça suffirait, puisque c'est l'ensemble de l'œuvre de Miura, mais que ce soit d'Anan, etc. Donc, si vous partez dans un délire en imaginant que juste sur une case, mais du coup, il servait à quoi? Vous vous rendez compte? Ce serait terrible. C'est donc, sûr, ça perd en crédibilité, hein, si c'est ça. Je vois pas du tout, parce que en gros, on n'a aucun élément qui nous permette d'imaginer ça, si ce n'est juste le fait que vous vous basez juste sur le fait qu'il y ait une spirale. Or, je vous rappelle que dans la théorie telle qu'on nous l'avait présentée, Sonia était nécessaire pour faire voyager les gens dans l'arbre, etc. Et le fait qu'elle soit pas là, ça suppose que il faudrait que Griffith, qui débarque là un peu, cul nu. D'ailleurs, j'avoue, c'est vrai qu'il abuse un peu. Il était cul nu tout le temps, ou c'est quoi, c'est un trip? Ouais, c'est ça, il est venu. du coup, donc c'était peut-être juste une projection astrale, on va dire, j'en sais rien, je sais pas. Il nous a fait une Luke Skywalker, là, je pense. Je pense que Guts n'a même pas eu conscience qu'en fait, c'était juste une projection astrale. Il le touche. Il le touche en vain, quoi. C'est-à-dire, il le traverse, oui. Non, après, il y a le épée qui se bloque sur son épaule. Plus tard, à la fin, tu as Guts qui frappe. Et littéralement, Griffith arrête le coup avec son épaule en protégeant Casca. En protégeant. Toi, tu penses qu'il arrête le coup? Oui. Ah non, moi je crois que c'est Guts qui s'arrête pour pas toucher Casca. Enfin... Ah non. Ah oui, toi tu penses. Non, parce que Guts est surpris lui-même après quand il regarde son épée, ça fait aucune égratignure à Griffith. Il le dit d'ailleurs dans notre chapitre actuel qu'il a même pas pu porter un vrai coup, quoi. C'est chiant, comment ça se fait? C'est qu'il a testé. 367, c'est fou. Je suis vraiment surpris. Bon, peut-être que je n'avais pas jugé nécessaire de le télécharger, ça me paraît très bizarre. Merde, voilà, cette fois on y est. C'est celui qui nous manque. Bon, moi j'ai l'impression de perdre du temps quand même, malgré tout. Je vais pas vous mentir. Parce que je comprends en gros ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut une explication sur le fait que Griffith soit arrivé malgré tout sur l'île. Et ce que nous explique le School Knight, c'est que je vous l'ai lu, passons pas trop de temps, je veux dire, il y a du concret dans le manga, parce qu'après moi j'ai du mal après à garder mes idées bien au clair. Donc c'est pour ça que, les amis, je suis parti chercher la phrase exacte de School Knight. Il y a un faisceau de lumière aveuglante qui a traversé l'île, voilà, ok. Et qui a permis à Griffith et à toute cette matière noire, ou en tout cas à toute la matière noire, donc de complètement bouffer l'île. On était ok là-dessus, on est parti le lire, vous vous souvenez de ça, hein? Oui. Voilà. Donc vous vous souvenez de ça. Donc je pense que très simplement, ce faisceau lumineux qu'on voit est celui dont parle le School Knight, tout simplement. Et que, c'est QFD, comme on dit. C'est-à-dire, c'est ce qu'il fallait qu'on voit. Et voilà. Et que par contre, aller imaginer de faire intervenir les plus grandes puissances magiques qui du coup, ne sont pas présentes. C'est-à-dire, on ne les voit pas. Alors qu'on les a vues sur Enoch. La première fois que Shirky, là, on a eu carrément même le nom de la dame des abysses, ou je sais plus, la dame des profondeurs, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y aurait une sorte de bataille de mages à minima, hein, une invocation, de la même façon que Flora, je pense qu'on l'a vu invoquer, ou en tout cas faire sienne ce feu. Je pense qu'on aurait eu... c'est juste ça. Moi, je serais extrêmement frustré de me dire que ce tout petit bout de case représente l'étendue du pouvoir des plus grands mages de l'œuvre de Berserk. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Bah, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, soit Kojimori et l'équipe manquaient d'éléments, et que peut-être, désolé, je reviens à Miura, mais peut-être que Miura avait prévu de répondre à cette question que tu te poses, tu vois, mais qu'eux, ils n'y ont pas forcément pensé. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. En t'écoutant, c'est l'impression que ça me fait. Moi, je sais pas. Je pense que s'il y avait eu un combat, il y aurait eu combat. Moi, je vois plutôt juste une sorte Enfin, bon, écoutez, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, n'allez pas vous imaginer des scénarios de taré, quoi. Hein. N'allez pas vous imaginer que ça, c'était des déesses, les quatre éléments. Alors, je veux bien essayer de retourner voir. Donc, je sais pas. Hein. Message retiré, ça veut dire que c'est toi, hein, Furious, hein, qui a fait ça. Oui, c'est ça. Bon, bah écoute, a priori, de toute façon, que ce soit Furious TV ou Guts, ont l'air, en tout cas, eux deux, d'accord. Moi, j'ai essayé de vous expliquer mon point de vue. Je pense très honnêtement que c'est assez clair ce que dit School Knight. Je pense que ça correspond à un visuel qui serait ça, hein, en toute honnêteté. Et que, effectivement, du coup, une fois que le mal fait, que le méfait est fait. Une fois qu'effectivement, ben voilà, l'île est détruite, et ben on le voit partir, quoi, en toute fin. Voilà. Et que, a priori, ça concerne plutôt une action de Griffith, plutôt qu'une action des mages, que ce soit pour se protéger ou pour se défendre ou pour attaquer ou quoi que ce soit, puisque ça, visiblement, ça n'a eu aucun impact. Et puis surtout, comme vous voyez, elle est là. Elle est encore là bien après qu'ait disparu le truc. Après, si c'est la protection qui part. Bah, fallait qu'elle parte avant que Griffith arrive, tu vois ce que je veux dire? Ou vous allez décider quoi cette protection? Il y a Griffith qui peut quand même venir. Et puissante. Bon. Ah, qu'est-ce que tu. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as Ah dit? non, non, je réagissais juste, je disais, bah, elle devait pas être assez puissante pour Griffith, tu Ah vois. ouais, mais non, Bah, selon moi, ouais. les plus vieux mages, même Danand, s'il y a un no match face à Griffith, donc y a pas de combat, c'est. Donc ça c'est la théorie de l'EHPAD, hein. On est sérieux, alors vous êtes sérieux avec ce truc, moi je disais ça pour rire. Alors non, Hein. mais. C'est une EHPAD de gens surpuissants, mais pas à ce niveau-là, c'était tout. C'est Griffith, c'est l'étape d'au-dessus. Il n'y aurait eu que des acolytes, Oh ça n'aurait pas été la putain. même. Oui, si ça avait été que des apôtres, oui, bien sûr que l'île aurait pu être défendue. Mais Griffith est trop divin. Donc vous êtes en option EHPAD. Ouais, bah je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, hein, parce que je ne vois pas d'autre explication, malheureusement. Je suis désolée. Ah mais non, mais attendez, c'est juste parce que vous attachez à une spirale, vous pourriez Pas sacrifier du tout. toute la. Non, mais non, Alors c'est qu'en pas ça. plus Mais de ça, ouais. Non, mais parce que en fait, moi, ce qui me c'est pas dérange, c'est qu'on est retranscrit, donc. retourné. Non, mais aussi même pour le chat, juste parce que j'essaye vraiment pourtant d'être clair, quoi. Je vous ai même reparti chercher la phrase où on a le School Knight qui explique, du coup, voilà, un rayon lumineux éblouissant, etc. Donc même tout ça passe à la trappe. Et vous Mais préférez non, pas du du tout. À la coup. trappe, mais s'ils Ah, avaient alors voilà, voulu je le préfère faire, vous ils écouter l'auraient là-dessus. fait. Dis-moi, Tu vois? pardon. S'ils avaient voulu le faire, alors, soit ils comptent. Enfin, ça passe pas à la trappe. Je Ouais, comprends totalement ce dis-moi, que du tu veux coup. dire. Mais s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait. Et ils l'ont pas fait. Donc, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ont pensé à cette idée-là. Et s'ils ont pensé à ne pas le faire. C'est qu'à leurs yeux, c'était pas nécessaire, ou alors au niveau du scénario, ça tenait pas la route, ou j'en sais rien, ou alors Griffith est trop puissant, tu vois, mais je pense que bien sûr qu'ils ont pensé à cette idée-là, mais s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a une raison. Et qu'on n'a pas la réponse, malheureusement. Mais On n'a pas c'est assez de réponses. incroyable. Ben, écoute, Furious, on est parti tester. Mais tant pis, on va pas passer trop de temps dessus, les amis, hein. On va pas passer trop de temps dessus. Je pense qu'on aura la réponse après. En plus, moi, j'ai vraiment du mal. Soit je suis trop con et ça m'arrive, je veux bien l'entendre, hein. Mais là, que sur ça, on me dise c'est eux, tu vois, c'est comme si on avait genre des photos d'identité. Ça me rend ouf. Mais c'est dans ma nature. C'est-à-dire, faut pas trop me démarrer, mais je vais. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je fais? Je retourne encore aller vous remontrer l'église pour que vous voyez à quoi ça ressemble une vraie déesse? Ok, vas-y, c'est parti.
Alors, c'était quel chapitre déjà? C'est le 24, le 25, je sais plus. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour être... On peut être sûr de rien. C'est ça qui est dérangeant. Ah bah, ouais, mais du coup, dans la phrase, c'est eux. Est-ce que tu j'ai pas dit c'est de... eux, j'ai est-ce dit que ça tu m'a sens fait une sorte, une forme de certitude. Non, dans la phrase, c'est eux, les quatre en plus, tu vois. J'ai dit, ça me fait penser à ouais. ça. C'est pas anodin si ils ont shooté Tatillon quand même sur ça, parce que ça m'a tout de suite fait penser à ça, parce que c'est les seules représentations qu'on a de ces courbes-là. On n'a jamais vu d'autres courbes différentes. Qui représentait autre chose. C'est pour ça que je te dis ça. Que ça m'a fait penser à ces quatre points cardinaux. Bien sûr que je ne suis pas catégorique sur cette idée-là. Hmm. Mais... Ben, c'est plus Furious TV qui est très très sûr dans les commentaires, mais... Moi, j'essaye... Moi... C'est vrai que ça me ferait gagner du temps si vous pouviez me donner le chapitre, mais là, j'arrive à voir, je vois notre petit ami. Là, notre t'as aussi prête. Le chapitre, faut pas oublier, t'as pas que avec Shirk, hein, t'as aussi... C'est pour ça que je te dis que ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'on le voit deux fois. On le voit avec Shirk, avec l'église et les trolls, mm-hmm. et on le voit pour la première incantation de Farnes sur le bateau quand elle fait sa protection avant le combat du dieu des mers. Et elle dit, je ressens un grand tour, machin, comme bref. Attends, je crois que c'est un petit peu avant. C'est... Voilà, c'est... Ça, ouais, ça, c'est ça fait tout de suite penser à ça. Voilà. C'est pas la même chose. Là, c'est la déesse des mers. Je crois que la protection des 4-3 cardinaux, c'est avant. C'est avant le combat. Hein. Donc là, par exemple, tu vois ce que vient de faire Serpico. Voilà, bon, je fais ça juste comme ça, une spirale, voilà. Alors, donc les fameuses spirales, c'est peut-être juste la façon dont les glyphes, qui sont les esprits du vent, se métamorphosent, je veux dire. Tu sais, on avait discuté de ça quand je te disais, c'est peut-être juste un ouragan, alors que d'imaginer les quatre points de... Enfin, écoute, je pense que j'ai été suffisamment clair, hein. Je crois que j'ai dit vraiment mon point de vue. Moi, le vote, je l'entends, mais le problème, c'est que j'ai du mal à voir sur quoi ça repose de sérieux, dans le sens où il y a juste une case et surtout, il y a zéro implication dans le scénario. Donc j'espère que ça, voilà, que les gens qui écouteront auront compris que moi, ce qui me dérange, c'est que il y a une seule case, sans dialogue, avec en plus zéro implication. C'est-à-dire, si c'est défensif, il n'y avait pas de défense. Si c'est offensif, il n'y a pas d'offense. Si, il y a rien. Donc bon, alors, ok, voilà. Alors, et je ne pense pas que ce soit genre être picky, relou, ou je sais pas quoi. Après, peut-être que j'ai pas vu, mais j'aurais bien voulu du coup qu'on me montre, sans me dire va voir dans l'autre chapitre, parce que là, tout de suite sur l'île d'Elfhelm, a priori, nos quatre gardiens, ils étaient aux champignons ou ailleurs, où ils ont tout simplement pas été invoqués. Je pense qu'ils n'étaient pas là. Moi, je pense que si c'est ça, hein, bien sûr, je ne suis pas catégorique sur le fait que ce soit ça. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que si c'est les 4-3 cardinaux, je pense que la protection n'était pas suffisamment puissante, tout simplement. D'accord. Si c'est ça, hein, ça je dis bien si. Avec le monde physique. Alors, je vais lire un petit peu d'autres commentaires. Hein. Tu m'excuseras, Furious, parce que là, ça y est, je pense qu'on a assez parlé de ce sujet. Alors, il y a l'halluciné. Pour moi, Griffith a percé le lien de l'île avec le monde physique. Il a tué le lien. Il ne reste que ce petit îlot minable et stérile. C'était triste. Mais... seul Falconia mérite d'exister. Je pense que tu as tout à fait raison de continuer à mettre un... Tu vois, au stabilo, de continuer à surligner au max que voilà, Griffith, je pense qu'il a effectivement un problème avec l'altérité et les gens qui, je sais pas, enfin, comme tu dis. Alors, ce bout minable et stérile est la réelle île de Skellig, hein, c'est ce qu'il en restait réellement. Elfhelm, c'était le royaume qu'on voyait, qui était essentiellement astral, et Skellig, ben, c'était ce bout de terre qu'on voit. Alors, Germain, Geots va devoir quitter le monde physique pendant un certain temps. Ça, c'est possible. Et là, tu nous poses une super question, Germain. Est-ce que Void va-t-il supprimer le marquage du sacrifice à Casca? Alors, on n'a jamais entendu parler que ce soit possible. Exactement, d'un démarquage ou d'un retrait de tatouage, là.
Ou laser, je... peut-être. Ah ouais, je ça sais me pas dérangerait comment... qu'il y ait cette scène-là, personnellement. Pareil. Bah, ça voudrait dire que... Oh bah elle a pas été violée, tu vois, ça... Ah ouais, ouais. Ça me dérangerait vraiment qu'ils enlèvent qui est cette scène. C'est très 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 bizarre. Ce serait bizarre. Ouais. Après, je pense que tout est plus ou moins possible. Moi, je pensais voir Casca, en fait, pour être honnête, hein, sur ce chapitre. Je pensais voir une toute dernière fois Casca, vu qu'elle en trouvera en plus les yeux, j'attendais quand même pas mal de réactions de sa part. Et puis, on en aura, va falloir être patient par contre. C'est pas sûr qu'on en ait au prochain chapitre d'ailleurs. Peut-être qu'on aura plus de guts. Ou de... Putain, c'est dur hein, en fait de lâcher l'affaire, j'avoue. Mm. C'est rude. Parce qu'en gros, la Furious, il me dit, c'est le roi du vent. King of the world. Frérot, il est où ton roi? Et alors, sinon, éventuellement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils font mal le job, ils découpent super mal. Bon, donc si t'as le 4 fantastique du vent, putain, j'ai dit que je retournais pas dessus, bordel. Bon, si t'as ton 4 fantastique là qui vient, ton dieu du vent qui vient, ok? Donc il vient, on va dire, pour les sauver, probablement, enfin, en tout cas, faire quelque chose. Il faut bien qu'il fasse quelque chose, quand même. Bon, donc là, tu as compris qu'il est parti, plus ou moins. Hein, on en a une trace. Hein, toute fin de queue de comète, comme je disais. Allez, en grattant un peu, tu peux imaginer qu'ici, c'est la toute fin. Mais on va être d'accord, là. A priori, il a fini son petit tour de magie. Et il se trouve que, donc, là, il n'y a pas d'incidence. On se comprend, là, ça va. C'est de la folie ou c'est quoi, le trip? Là, il y a zéro incidence. Je veux dire, elle est là. Elle est là. C'est pas genre, il est venu... Et dans une tornade magnifique, telle je sais pas qui, telle le Flash, il a réussi à embarquer tout le monde dans sa centrifugeuse vers les grands cieux et l'au-delà. Là, tu vois bien que ça a l'air d'être plutôt une disparition, littéralement, qui est liée à la mort du cerisier. On est plutôt sur du temps long et du... comment on appelle ça? Quelque chose qui n'a pas été invoqué. Il n'y a aucune prononciation... Pas de prononciation de sort, pas de... Enfin, voilà, quoi. Hein. Pas d'invocation, il n'y a rien. Juste une conséquence. J'aime bien le « il n'y a rien ». Bah oui, regardez, ça finit bah comme oui, ça. Bah oui, je suis totalement d'accord avec vous toi. Vous voulez m'imaginer qu'il y a les quatre fantastiques dans ce bordel, là? Vous n'avez pas vu le même chapitre que moi, là? Ou c'est quoi? Oui, je t'ai dit au moins 15 fois regardez-moi que ça, moi, la protection n'a pas marché. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Une tornade qui défonce tout et qui laisse que du désespoir. Donc, excusez-moi, s'il y avait eu... S'il y avait eu des points cardinaux, des anges gardiens cardinaux, ça suppose un peu pas. D'espoir. Alors, je te rappelle que je parle de Furious TV dans le chat. Oui, hein. D'accord. Mais d'accord. Juste, c'est toi elle qui continue sauté. À me parler. Alors oui, sauté. Bon, c'est, oui, toi, tu préfères imaginer que c'est le verrou qui saute. Sauf que, comme j'ai répondu à toi aussi, le problème, c'est qu'il a sauté avant le verrou. Et puis que surtout le School Knight nous explique comment, enfin bon bref, on va pas refaire, toi je pense qu'on a assez discuté ensemble, mais c'est Furious qui continue à checker dans le chat. Bon, en tout cas, ça permet de voir que malgré les trous et etc, on a plein de points qui sont du coup sujets à polémique, hein, là à ce stade c'est plus la discussion. Ben, les implications, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut pas surinterpréter non plus. Je pense que ce qui serait disproportionné, c'est plutôt de s'inventer des trucs parce que c'est déjà bien compliqué comme ça. C'est déjà suffisamment compliqué d'essayer d'imaginer pourquoi est-ce que. Comment dire? Où est-ce que sont partis tout ce peuple astral alors que normalement les deux mondes sont déjà fusionnés, pour en plus rajouter des incohérences du studio. Moi, je trouve que ce serait vraiment tragique. Moi, je préfère franchement, honnêtement, je préfère vraiment imaginer qu'ils n'étaient pas là plutôt que de me dire que le studio Gaga les a utilisés de cette façon. Voilà, je crois que c'est à peu près ça le mot de la fin pour moi sur ce sujet.
Et puis voilà, sinon ce serait trop tragique, quoi. Je peux pas imaginer que des mecs qui bossent depuis... Il y a certains, c'est des assistants depuis 2003, le plus ancien, ou 2004. Ah, oh, quand même, vous imaginez ouais, ça mais sur le dessin, quoi. Malheureusement, sur l'histoire... Peut-être que, tu vois... pour moi, il y aura forcément des erreurs à un moment donné sur certaines cases, tu vois. Et là, c'en est peut-être une, justement. J'essaie de refaire. Ouais. Fait jump. Je remonte un peu pour voir si jamais dans le flow là, de petites phrases, j'avais loupé d'autres commentaires qui auraient été sympas. Ouais. Quand il est fait, c'est-à-dire quand l'enfant... Non, c'est deux fois. Il insiste furieux. Oui, non, mais après, c'est pas justement. Il lâche pas le morceau. Oui, mais c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de ma part. J'aurais pas dû passer trop de temps dessus. Enfin, en même temps, j'espère avoir été clair, mais je pense qu'en fait, j'avais été suffisamment clair la première fois. J'aurais pas dû perdre trop de temps. Ouais, voilà. Du coup, Warzizi, je l'ai pas vu partir, mais c'est pas très grave. Je lui ai dit au revoir. Ok, je pense que c'est à peu près tout. J'ai tout vu. Ah, Rising Tiger. Casca me tape sur le système. Casca me tape sur le système, c'est un truc de malade. Quelle souffrance doit ressentir Guts à chaque fois que Griffith fait son apparition. Faut qu'elle se déconnecte ou qu'elle lui fasse un câlin. Ouais. Alors, effectivement, hein, Rising Tiger, bon... Je pense qu'elle a évidemment passé beaucoup de temps, elle a eu le temps de méditer sur tout ça. Mais c'est vraiment pas facile. J'avoue que c'est vraiment pas facile. Franchement, je pense que Casca, là, pour l'instant, on l'a pas assez vu. Et que, effectivement, l'idée de la voir se faire enlever aussi vite... était assez regrettable. Je fais partie des gens aussi qui auraient bien voulu l'avoir surmonté, peut-être son trauma, ou avoir un dernier échange au moins. J'y tenais à ça. Hein. J'étais quasiment sûr, puisqu'on voit son œil s'entrouvrir. On voit son œil s'entrouvrir à la fin du 368. Donc je m'étais dit, c'est garanti. Il y a une dernière petite phrase, quoi. Il y a quelque chose. J'essaye de. Non, ça c'est Puck. Tchac, tchac, tchac. Voilà, vous voyez, moi j'étais quasiment sûr, hein. Moi ça me semblait assez sûr et certain là, hein. Qu'il y aurait eu, en plus c'est la fameuse, beaucoup de gens ont repris cette image de ce que j'ai vu sur les réseaux, je me suis dit ça y est, elle entrouvre les yeux, on va avoir quelque chose, et puis finalement, ouais. ben non, nada. C'est vrai que là pour j'espère le coup... qu'on l'aura plus tard. Hein. Ben ouais, l'étoile filante là... Là, on n'a même pas eu d'étoile filante, là. Mais ouais, c'est sûr. Là, on n'a rien eu. Là, c'est vrai que c'est... Juste pour revenir sur le commentaire sur Casca, moi, je pense que... Comment dire je crois que j'ai trop de compassion pour le personnage sur ce qu'elle a traversé, et je comprends qu'elle ne puisse pas encore être avec Guts. Dans le sens où elle n'a pas surmonté son trauma, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et je pense que on l'aura la finalité de la chose sur ça, justement, sur le trauma. Je pense qu'elle finira par le surmonter, mais qu'elle peut pas surmonter si elle se confronte pas avec Griffith. Ça, c'est, j'en avais déjà parlé auparavant. Ouais, c'est clair. Il faut une confrontation Casca-Griffith. Et avant cette confrontation, Casca, je pense que elle, comment dire. Je pense qu'elle va pas se voiler la face, mais un petit peu, elle va être dans le mensonge pendant un certain temps sur ce qu'elle a traversé. Mais je pense qu'il y aura une confrontation Casca-Griffith, ça c'est certain. Ah ouais, toi tu l'imagines carrément ne pas se souvenir ou un truc dans le genre. Alors bah c'est l'impression que ça m'a fait en fait quand on a vu quand justement là le tout premier chapitre qu'ils ont fait. Quand elle se retrouve face à Griffith, si tu regardes les flashbacks qu'elle a où elle se dit non, c'est impossible, là où on la voit nue avec plein de cases d'images, il n'y a pas une seule image de l'éclipse. Si, il y a une image de la main, mais pas une image de son viol, tu vois. Et tu veux dire le fameux truc. Attends, pardon.
J'ai eu cette sensation qu'elle avait des flashs de ce qu'elle avait traversé en tant que Aileen, si je ne me trompe pas, et donc des mémoires qui arrivent tous en même temps. Et je pense que petit à petit, elle va tout remettre dans l'ordre. Et je pense que pour l'instant, elle n'est pas encore prête à faire face à son trauma, puisqu'on voit très bien qu'à chaque fois qu'elle est confrontée à son trauma, elle rentre dans une crise où elle se met à hurler dans tous les sens, ou à tomber dans les pommes, etc. Et pour qu'elle fasse face à son trauma, il faut qu'elle fasse face à la cause et à son bourreau. Et qu'elle, soit qu'elle pardonne, soit qu'elle accepte ce qui lui est arrivé et qu'elle cicatrise. Et pour cicatriser, il faut faire face à ce qu'elle a traversé, malheureusement. Voilà. Je vois très très bien. Je pense que tu as tout à fait raison. J'ai essayé de trouver de quoi illustrer ce que tu disais là sur le fait qu'elle se souvenait pas de mes... Mais c'est un peu dangereux. J'essaie de naviguer comme je peux. Oui. Voilà, donc je suppose que toi, t'étais par là, hein, c'est ça, hein, c'est à ce moment-là que tu penses. Hein. Voilà, toi, tu... Ouais, voilà, tu... Bon. Voilà. Mais même le tout premier chapitre qu'ils ont fait. Mais elle est nue, donc tu pourras pas montrer. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, non, mais en plus, je pense très honnêtement que ça pour le coup, c'était too much pour eux. Je pense que ça dépassait. Tiens, j'en profite peut-être juste pour rappeler, parce que je l'avais lu, ça aussi, évidemment, hein, en relisant, mais pour cette histoire de Griffiths, là, quand même, qui joue un rôle un peu flou, regardez ça, par exemple. Là, vous voyez très très bien que dans son état d'esprit, il est aussi en train de nettoyer, entre guillemets, des monstres qui a priori n'avaient pas envie de vivre en harmonie avec les hommes et qui avaient envie de continuer à les manger tout le temps. Avec Sonia qui est donc Sonia qui est un peu le symbole, la mascotte effectivement de ce mélange surréaliste. Mais là, si vous vous souvenez, on est sur la première fois qu'il y a Fantasia, on a tous ces monstres qui sont un petit peu en liberté, là, qui viennent de ressurgir. Et puis là, on voit bien qu'il est en train de faire un peu le ménage aussi. Donc, je pense, moi, je trouvais qu'en dehors même du dessin qui commençait déjà à être assez perturbant, vu la tête de Casca et tout ça, vraiment, surtout ce tome 40, hein, vraiment là, je trouvais que Miura, il commençait un petit peu à se perdre. Sur pas mal de choses, alors voyons donc. Même le dessin, hein, les visages sont très différents à partir de ce tome. Ouais, alors moi les dessins, dans un sens ou dans l'autre, autant je suis capable de dire qu'effectivement Casca, elle a pas du tout la même tête et que je sais pas ce que je suis en train de lire, mais c'est exceptionnel. C'est juste trop bien. C'est juste différent. Là, c'est sûr que la tête de Sonia. Oui. Même Griffiths, là, son visage. Oui, là, leurs têtes, elles sont. Effectivement, elles ne ressemblent pas du tout à ce que c'était auparavant, mais bon, ça. Moi, je restais vraiment focalisé, tu sais, sur l'histoire, quoi. Qu'est-ce que représente Griffiths, du coup. Et puis, ça reste bourré de détails, malgré tout. Hein. Ah, ben. Et comment. Bon, j'ai pas trouvé. J'ai toujours pas le tome 41, donc c'était plutôt au tout début du tome 41 qu'il y avait. Qui avait un peu plus d'éléments, je pense. En tout cas, on a tout dit, je pense, pour ce chapitre 39. Ce qu'on peut dire, c'est que le prochain chapitre, c'est le 14 octobre. Ça va tirer, ça fait un moment qu'on t'entend plus. Je pense que tu as dû récupérer un peu de thé ou il y a eu une coupure de Discord. Pas du tout. Je suis encore là. D'accord. Je suis vivant. Parce que là, ça fait fatigué. Très longtemps que tu... Ouais, d'accord. Oui, il ne faut pas oublier, notre cher Tyrion a eu le Covid en plus. Hein, donc, il a bravé tout pour être dans les temps. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a repoussé. Je pense que moi, j'aurais tendance à quand même faire le live plutôt à partir du moment où le chapitre est dispo, plutôt que le samedi. Parce qu'en plus, en général, le samedi, c'est quand même pas évident. Samedi soir, il y a souvent d'autres occupations. Et voilà, donc rendez-vous le 14 octobre.
On a en, au programme, je, d'ici là, j'aurai clairement fini ma première vidéo sur la mécanique des mondes, ça c'est certain. On a aussi en perspective le 24 septembre la conférence dont j'ai oublié le nom, mais où ils vont enfin parler de un peu plus. La conférence d'Aniplex où ils vont parler un peu plus de l'animé qui vient, enfin du, des films redécoupés qui viennent en octobre. Donc on verra ça. S'il y a un truc sympa, je ferai une petite vidéo dessus, ou voir, on regardera directement en live. C'est le 24 septembre sur la chaîne YouTube de je sais plus quoi, je reposterai dessus. Vous avez tous les liens pour vous abonner, pour suivre, et vivement la suite. Ouais, c'est ça va, Furious, ça va. Mais c'est surtout que c'est vrai que disons que je suis pas bon public pour ce genre de c'est-à-dire si tu cherches la corrida, moi je suis taureau de signe astral, donc effectivement moi aussi j'ai du mal à lâcher l'affaire. Donc il y a pas de souci. Merci beaucoup pour la participation. Et puis voilà. Et puis après, vous pouvez leur dire un petit coucou, un petit bye bye. Ben, gros bisous tout le monde et gros bisous à Furious qui m'a mais bien oui, fait rire sur tout le monde chat. Aussi, j'ai beaucoup aimé ouais, c'était un plaisir. Germain aussi, tous les amis qui ont été là, merci beaucoup. Ouais, avoir Zizi, ouais, voir Zizi qui était très drôle. Oui, c'est c'était, vrai qu'il c'était est... très sympa. Oui, il nous a aidé à synthétiser des fois quand c'était trop compliqué. Ouais. Voilà, dépop, c'est un mot qui sera difficile à traduire de façon complexe en philosophie, et pourtant c'est d'une simplicité. Donc effectivement, ils ont dépop. On verra la suite. Grosse grosse pression autour de Puck, mais Puck ne disparaîtra pas, ça c'est certain. Personne n'a disparu, j'espère, j'espère. Peut-être même qu'on retrouvera Flora quelque part. On verra bien. Regardez-moi cette musique incroyable pour finir ça. On va découvrir le monde des cieux. Je pense que ce sera ça le prochain menu sur le 370. Donc je vous dis à la prochaine et ciao. Et taureau alors ?